Bien dormi? Et dis-moi, tu t'es baigné? Eh non, je t'attendais. Ah, bah, c'est gentil. Bah, tu viens, on y va, on va se tremper. J'ai pas mon maillot. Moi non. C'est pas vrai, Franck? Oh non, Franck, viens! Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Non, mais attends, c'est pas possible! Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais attends, c'est pas possible! Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est pas possible! Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est pas possible! Allô, monsieur Rodier? Oui, Franck Monnier à l'appareil. Mais non, ça va pas du tout! La piscine! Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah oui, c'est pas possible! Ah mais monsieur Rodier, attendez, évidemment qu'on a été surpris, mettez-vous à notre place! Une grande piscine, sans eau à l'intérieur! Ça fait drôle, non? Mais attends, il se démerde, hein. Il nous fout la flotte dedans. Non mais monsieur Rodier, la question n'est pas là. Je vous ai mis une maison pour une semaine de vacances avec une piscine, vrai ou faux? C'est pas une question d'argent, c'est pas le fait d'être remboursé ou pas. Attends, il nous fout les vacances en l'air là, hein. Voilà ce qu'il faut lui dire. Monsieur Rodier, ne me dis pas que je ne sais pas lire un contrat, hein. Je suis directeur d'une agence de publicité, la négociation c'est mon métier. Non, là il y a un vrai préjudice, ça n'a pas de valeur. Non, préjudice. Préjudice. Ouais, bon, problème si vous voulez. Bon, enfin, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça, oui. D'accord. Eh bien, j'attends votre appel. Putain, mais quel con ce mec, il comprend rien. Attends, je peux te dire que quand j'ai loué sa baraque, là, il comprenait tout. Hein. Là, il y a un problème, il fait le pecno qui comprend rien. Mais t'as qu'à être plus direct aussi, au lieu de lui raconter tes salades de préjugés, là, ou je sais pas trop quoi. Préjudice. Enfin, préjugé, GG. Hein? Excuse-moi, j'emploie les termes adéquats. Enfin, tout le monde sait ce que c'est qu'un préjudice. Vous savez ce que c'est qu'un préjudice? Non, mais je sais ce que c'est qu'une piscine. Et je sais aussi que quand il n'y a pas d'eau à l'intérieur, ben, ça marche vachement moins bien, tu vois. Oh, c'est pas vrai. Hé, Franck, dis-moi, tu pourras me prêter ton gel douche, là, parce que j'ai tout mis, dentifrice, shampoing, tout. Dis, Damien, ouais. Tu sais ce que c'est, toi, qu'un préjudice? Vous faites un trivial. Bon, et alors, résultat, qu'est-ce que c'est? Résultat, c'est pas clair son histoire. A priori, il y a eu un problème avec le filtre et le chlore, et du coup, à cause de la chaleur, le pH de l'eau a augmenté. C'est ce qui mesure la propreté ou l'hygiène, enfin bon, bref. Et du coup, c'était complètement toxique à l'intérieur. Il a dû la vider pour qu'il n'y ait plus de champignons, parce que ça accélère le développement des chloramines, et c'est ce qui bousille les pièces ou l'ossature de la piscine. Enfin bon, bref, c'est pas très clair. Non, c'est pas clair du tout. Hein. Et puis c'est pas très vrai non plus, j'ai l'impression. Non mais attends, il aurait quand même pu nous prévenir, quoi. Merde. Il me dit qu'il a laissé un message sur mon répondeur à Paris. Tu parles? Ça c'est n'importe quoi. Tu vois, ça c'est vraiment n'importe quoi. Non mais attends, on va pas se laisser faire. Hein. Eh, s'il faut, j'irai lui casser la gueule. Eh, Damien, hein? Tu viendras avec moi lui casser la gueule. Voilà, et doucement là. Moi ça fait juste 5 minutes que je suis debout. Hein. Alors attends. Tu me demandes de te donner la définition de préjudice. Ok. Après, tu veux qu'on a cassé la gueule à je ne sais qui? Bon, si on pouvait commencer par le baston, tu vois, ça m'arrangerait. Après, j'ai peur qu'il fasse trop chaud.
les vacances. Si on s'est fait avoir et qu'on n'a pas de piscine. Attends, elle n'a pas de piscine? Tu rigolais au fond du jardin, la piscine. On l'a vu en arrivant cette nuit. Et tu l'as vu loin en arrivant cette nuit, là, mais t'allais te baigner? Bah non, pourquoi? Eh, bah viens voir, je vais te montrer. D'abord, je pense que ça va te plaire. Ouais, c'est bizarre, là. J'ai l'impression que non, là. Oui, allô? Ah oui, salut, oui, ça va. Enfin, non, pas trop, finalement. Bah oui, écoute, on est arrivé hier soir, et puis ce matin, on découvre que la piscine est vide. Je sais pas, il y a la mort en rat ou je sais pas quoi dans l'eau. Enfin bon, bref, c'est vide. Très drôle, toi. Pourquoi tu m'appelles, au fait, toi? Ouais? Hein? Quoi? Attends, mais on va le signer, ce contrat, oui ou merde? Comment ça, pas encore? Quoi? Mais vous vous démerdez! Je prends une semaine de vacances par an, je vais quand même pas traiter ça d'ici, non? Et écoute, tu vois, c'est avec Lou et vous le rappelez. Hein. Bon, je te laisse, il y a le propriétaire qui doit me rappeler, là. Ouais, salut. Il a l'air de pas trop le mal le prendre, finalement. Hein. Oh l'enculé de piscine! On me rappelle l'autre là ou pas, là? Par mal, ces vacances, ça part super mal. Alors, tu vois, moi je m'en fiche. Hein. Mais s'il le faut, j'irai la remplir à l'arrosoir, la piscine, moi. Alors, effectivement, hein. Alors, elle est très belle, très grande, très profonde, alors très vide. Hein. Non, mais la piscine. Il dit quoi, juste au propriétaire? Champignon. Ah, champignon? Ah, c'est bien ça comme réponse. Non, c'est toi, s'il avait dit carotte ou salsifis, je me serais un petit peu inquiété, tu vois, mais champignons, c'est bien, comme un consomme. Enfin, champignons ou une espèce de virus comme ça, comme tu veux, enfin bon. En tout cas, ils savent pas ce que c'est, ça pourrit complètement la piscine, du coup, il est obligé de la vider, et en plus, c'est dangereux. Hein? Dangereux? Ben, pourquoi tu fais cette tête? Mais attends, moi, j'ai touché les parois de la piscine avec la main, là. Et alors? Et alors, t'es en train de me dire que c'est dangereux? Mais j'ai pas envie d'être mis en quarantaine à cause d'une piscine qui a la mycose. Non, bon, ok, tu vois, là. Moi, je viens de pas me baigner. Mais le prix de la baraque, t'as intérêt à le faire baisser, parce que moi, je suis pas prêt de payer. Ah, mais oui, tiens, c'est vrai, il a raison. Je lui ai donné 24 heures pour trouver une solution. Et s'il la trouvait pas? On va trouver. Et moi, sinon, ouais. Tu comptes assez longtemps pour chercher sa chaise, hein? Je capte pas, en bas. Mais t'es en haut. Je capte plus non plus. T'as 500 euros le téléphone, ils vont m'entendre aussi, tiens. Bah tant mieux, tu vois. Comme ça, tu vas pas passer tes journées à attendre les nouvelles de la boîte. Ah ben justement, Christophe vient de m'appeler, là. Pour lui dire que ça chie chez mon père. Ça chie chez mon père, c'est drôle ça, non? Qu'est-ce qu'il me dit? Je lui raconte l'histoire de piscine, là. Il me dit, bah écoute, c'est pas grave, tu t'en fous. T'as qu'à mettre un fil au milieu, ça fera un tennis. Ça fait marrer, ça aussi. Ouais, attends, j'ai quand même une petite préférence pour sa chiche et pampers. Et écoute, la fille du tennis, ça c'est pas mal non plus, quand même. Ouais, bah, va nous chercher deux raquettes, tu vois, comment ça s'appelle. Ouais, t'es de bonne humeur, toi. Non, mais c'est pas ça, mais c'est cette histoire, là. J'ai pas besoin de ça, hein. Je suis détente, toi. Attends. Écoute, ça va aller. On a loué une maison avec une piscine. Moi, je le sens bien, on va la voir, cette piscine, tu vas voir. Mais Gégé, j'en ai rien à foutre, moi, de ta piscine, moi. C'est cette histoire de couche qui me tracasse. Ouais, c'est ce que je disais, hein. Il est de bonne humeur. C'est toi qui as inondé la salle de bain? Il est bien arrivé, ton homme? Non, il est pas là. Il est pas là? Il a loupé son train? Ah, il m'a appelé à 3h du mat, il sortait de réunion. Oh, mais c'est ça qu'il m'avait dit alors. 3h du mat, il bosse dans quoi? Un bureau. Bref, il a pas pu prendre le train de nuit, du coup, j'ai laissé un message à Pierre et Sabine pour savoir s'ils avaient de la place dans leur voiture. Il doit être avec eux. S'ils avaient de la place? Ben quoi, ils sont tous les deux? Et Mathieu? Ah oui! Ah oui, mais Mathieu, il a quoi, 2 mois? Ça tient dans le coffre à cet âge-là, non? Enfin, je veux dire, c'est pas un bébé qui prend toute la place dans une voiture. Qui c'est qui l'a fait? Bah, c'est moi.
Il est pas bon. Bon. Moi, je vais aller me baigner, ça va me faire du bien. Je suis pas sûre, tu vois. Oh, si, 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 j'ai très mal dormi, ça va me détendre. Alors, par contre, tu as évité le plongeon. Allô? Ouais, salut Sabine. Bon, on a bien roulé, ouais. On est arrivé vers minuit, une heure. Non, c'est Patrice. Ah, d'accord. Ah, je sais pas. Non, c'est parce que je viens de m'allumer, là. Je viens de me lever. Ah, je sais pas. Ouais, je vais lui demander. À tout à l'heure. C'était Sabine. Ils sont pas partis tout de suite ce matin. Ils auront un petit peu de retard. Ils seront pas là avant 5-6 heures. Elle a essayé de te joindre 10 fois depuis ce matin et elle tombe tout le temps sur ta messagerie. Il marche pas, ton truc? Si, mais il faut grimper, tu vois, c'est plus long. Et ils ont récupéré Patrice? C'est bien ça, hein? C'est bien Patrice? Oui, oui, c'est ça, c'est Patrice. Oui. Et non, il les a pas appelés. Non, il les a pas attendus? Ben, ils sont partis, ils ont pas attendu. C'est pas vrai. Non, mais ça, c'est pas sympa. C'est comme ça. Bon, je vais refaire un café, moi. Tout le monde en prend, hein? Eddy, y a pas de chocolat? Les gars, c'est pas sympa quand même. Ils auraient pu l'attendre, son mec. Attends, mais tu connais pas Fabienne, toi? Non, pourquoi? Ça veut dire quoi? Non, mais attends, mais Pierre et Sabine, ils ont prévu de partir à 6h du matin, tu vois, après le biberon de Mathieu. Ils ont la voiture chargée jusqu'à la gueule. J'imagine bien Fabienne, une heure avant de partir, envoyer un petit texto du genre Patrick va vous appeler puisqu'il reste une place dans la voiture. Et alors? Et alors, il se démerde, son Patrick! Patrice! Non, mais attends, il est grand, il se couille de bagnole, il se prend un train, je sais pas, moi! Oh, cool, toi, les gars, c'est les vacances! Mais attends, mais pour Pierre et Sabine, c'est pas les vacances, hein, c'est le départ en vacances! Mais c'est quoi la différence? Non, mais t'as déjà essayé de charger une voiture avec 4 valises, un maxi cosy, une poussette, un couffin, fixer un siège auto, là, tu mets une heure à fixer, faire 650 km sous 40 degrés, avec un bébé de 4 mois qui pleure tous les kilomètres à faire? Mais non! Eh ben c'est ça la différence. T'es très calé en termes de futur. Ouais. C'est-à-dire que je suis parti en week-end avec Pierre et Sabine il y a un mois. Ouais, c'est pas la veille que je prends les mots, non? Elle, j'ai essayé par le femme. Hein. C'est la merde, hein, s'il vient pas. Hein? De qui ça? Qui? Patrick. Patrice. Ouais, Patrice, Patrick. Mais pourquoi il vient pas? T'as bien tout divisé par 7. Je comprends pas pourquoi il capte, pas moi. Hein? Tu disais quoi? J'ai pas écouté là, vas-y, répète. Le budget, la maison, t'as bien tout divisé par 7. Chou, tu vas pas passer quand même toutes tes vacances sur ton téléphone, ouais, moi je m'en fous, hein. Qui vient ou qui vient pas, c'est quand même par 7. Oui, écoute, on verra, on s'arrangera, hein. On s'arrangera. Non mais attends, moi je le sens bien, là, le plan foireux, là, à la Fabienne. C'est vrai, ouais, c'est qui ce mec? Tu connais, toi, son Patrick, là? J'ai rien du tout! Hein, Franck? Je comprends pas, c'est incompréhensible. Hey, Franck, tu connais, toi, son Patrick, là? J'ai rien. Prends le mien, je capte très bien. Bon, c'est bon. Alors, il va venir, ton mec? Bah, bien sûr qu'il va venir. Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, il lui est arrivé hier soir, il t'a toujours pas appelé. C'est bizarre, hein? Bizarre? Bah non. T'as jamais loupé un train, toi? Ah bon? Bah non. Bah lui, si. Bon, tu prends un café au lieu de m'emmerder? Il y a pas de chocolat? Ah non, c'est vrai, je t'ai déjà demandé. Géraldine, oui. Ah oui, tiens. Chou, il va pas s'envoler ton portable. Prends un café avec nous. Et à quelle heure ils arrivent, Pierre et Sabine? On en dit fin d'après-midi.
Oui, c'est du café. C'est fort. Bon, ben moi, je vais aller me prendre un bain. Tiens, fais chaud. Ben, tu viens chaud? Ça me gêne, Alia Franck. Hein. Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Oh. Tu vois, Damien, pour l'effet que ça lui fait? Bon, ben, je t'attends alors. On a un café finalement. Fais gaffe, il est fort. Ça excite. Bon, je vais aller faire quelques longueurs, moi. Ouais, tu risques de les trouver longues, hein. Ça commence pas à faire de l'esprit. Non, mais je t'assure, hein, Fabienne. Hey, Fabienne, tu vas pas aimer, hein. Tu vas pas aimer du tout, hein. Non mais c'est quoi cette baraque? C'est quoi son problème à la piscine? Dégâts des eaux. Elle est toxique alors ils vont vider. Attends. T'es en train de me dire que je vais passer une semaine de vacances entre Pierre, Sabine, leur bébé, Franck et... Géraldine. Eh, c'est ça, il faut suivre avec Franck, hein. Attends, mais ça fait quand même 2 ans qu'ils sont ensemble. Ah ouais, bon, bref. Bref, je vais passer une semaine de vacances dans une région caniculaire et le tout sans piscine, c'est ça. Ah, j'en ai bien peur, hein. Ah, t'imagines bien que si j'ai accepté de venir ici, c'est pas pour la compagnie des êtres humains. Ah. Ah, tu veux dire que ma présence ici n'a pas été un facteur décisif à ta venue? Ah, je suis déçu. Franchement, je suis déçu. Moi qui me faisais une joie de passer une semaine de vacances avec toi, mais... Je sens que ces vacances vont être placées sous le signe de la fantaisie et de la déconne. Et dis-moi, qu'est-ce que tu regrettes le plus, de passer une semaine de vacances avec moi ou de ne pas avoir une meilleure proposition? Je me souviens plus. On était encore ensemble quand tu t'es mis à devenir très chiant et à vouloir tout analyser. Est-ce que tu m'as quitté que je suis devenue très chiant, toi? Ah, ça y est, je me souviens. T'as commencé à prendre pour un artiste et t'es devenue très chiant. On s'est quitté. Là, ça me manquait ces prises de tête, là, dès le café. C'est sûr qu'avec Géraldine, ça doit plus limiter les conversations au petit déjeuner. C'est pas gentil, ça, tu la connais à peine. C'est vrai, je la connais pas, mais j'ai pas envie de la connaître. Donc, t'as pas envie d'être gentil. Je sais pas faire. Me dis pas qu'elle te passionne. Non, je dis pas ça, mais bon, elle passionne Franck, et puis Franck, c'est mon pote. Je croyais que c'était un gros compte publicitaire. Oh, ça avait été un gros con, ça a toujours été un ami. Et il est passé du statut de gros con à ami depuis qu'il te trouve dehors et qu'il t'héberge chez lui pour que tu puisses faire semblant d'écrire ton nouveau chef-d'œuvre, c'est ça? Là, tu vois, ça c'est pas gentil, ça. C'est vrai. Ça, c'est pas gentil. Ouais, puis t'as pas envie d'être gentil. Bon, ok, toi, je squatte à droite, à gauche. Pas devenu la vie culturelle de Franck. Hein. Il ne m'accroche pas au-dessus de son canapé comme une toile moderne. Et Géraldine n'est pas devenue ma muse, c'est ce que tu veux savoir. Elle a gardé l'appartement, j'ai gardé les emmerdes. T'es venu t'installer chez moi, t'es parti quand on s'est quitté. C'est aussi simple que ça. Si t'étais comme tout le monde, t'aurais déjà trouvé un appart. Non mais attends, mais si j'étais comme tout le monde, hein, tu serais resté avec moi? Oui. Si t'étais comme tout le monde, je serais sûrement restée avec toi. Sinon, il est sympa, Patrick? Patrice. Ouais. Mais il fait quoi comme boulot, là, pour être si occupé la nuit? Ah non, tu vas pas commencer l'interrogatoire. Bon, moi je vais me... Oh merde, mais qu'est-ce que je fous là? Ces vacances vont être placées sous le signe de la fantaisie et de la déconne.
Hé, hey, Damien. Ouais. C'est toi qui as acheté ça? Bah oui, pour l'apéro. Bah, c'est dégueulasse, pourquoi t'as pas pris du Marika? C'est pareil, non? Ah non! Non, non, non! Tiens. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais pourquoi t'as acheté une saucisse au supermarché? Je t'avais dit d'aller chez le petit boucher! Oh, oh. Mais tu vas où, Chou? Il est de l'autre côté, le barbecue. Eh ben, je vais acheter du vrai Ricard et je vais chez le petit boucher. Bah, t'inquiète pas, hein, c'est moi qui invite. Non mais attends, mais arrête de faire un caprice, là, parce que c'est pas la marque de ta bouteille. Mais attends, ouais, je sais pas un caprice, je prends une semaine de vacances par an, d'accord? C'est pas pour bouffer des saucisses à varier avec un vieux fond d'anis dégueulasse. Quoi? Non, oh, excuse-moi, j'ai compris un vieux fond d'anus dégueulasse. Ah oui. Bah ça commence fort, salut. Ah bon, bonjour. On a pas trop tôt. Salut. Oh dis donc, qu'est-ce qu'il est mignon. Il a changé. Mais oui, que tu es joli, petit bébé, dis donc. Oui, hein. Bon, attends, le touche pas, tu le verras tout à l'heure. Coucou, petit monsieur. Coucou, petit monsieur. Lui parle pas trop près du visage, il vient de se réveiller. Merci. Il m'a fait un sourire. Oh, mais oui, tu m'as fait sourire. Lui parle pas comme à un idiot, c'est comme ça qu'on les infantilise. Tout le monde va bien? Ça va. Mais oui, mon bébé. Oui, 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 on est arrivé. Oui, on va pas être rentré dans la piscine. Dis-moi, Franck, il y a un endroit où on a pied dans la piscine? Partout. Ça a été la route, pas trop long? Oh zut, oh, il vient de recracher. Bon bah je m'en vite. Oui, on est arrivé. Ah, yo, tu veux un coup de main? T'as encore beaucoup de trucs là? À peu près trois fois la même chose. Ah, vache. Eh, hey, dis Pierrot, hey, tu sais qu'on a vu que pour une semaine? Moi, oui. Sabine, non. Ah. Oh, ça y est, c'est reparti sur les clichés, hein. Des nanas qui emportent 15 valises pour une semaine. Attends, GG, t'as emmené combien de paires de pompes pour la semaine? 10 paires de chaussures. Oh. Tu vas même pas en mettre la moitié. T'as bien emporté 3 maillots de bain, tu vas pas en mettre un seul. Et puis, de toute façon, ça prend pas de place, les chaussures, dans une voiture. Hein, t'es pas d'accord avec moi, Fabienne? Hé, hey, Géraldine, t'apprendras que Fabienne n'est jamais d'accord avec personne. Damien se trompe. Je ne suis jamais d'accord avec lui. C'est différent. Mais c'est vrai qu'avec le même Bermuda depuis 10 ans, mais il ne prend pas de place dans les voitures. C'est d'ailleurs le seul endroit où tu prends pas de place. Tu vois, tu fais comme Fabienne, hein. Tu viens uniquement avec ta bonne humeur. Oh merde, tu l'as oublié à Paris. Ah ouais, je vois que vous êtes parti sur de bonnes bases, hein. Oh, vous avez dîné? Ah ben non, vous attendez. Parce que moi j'ai une faim, meurs dans une faim. Eh, quelle heure est-il? 19h08. Déjà? Tu m'étonnes que j'ai faim. Ben, vous n'êtes pas arrêté sur la route? Bah si, toutes les heures. Pour Mathieu. Mais j'ai plus rien à grignoter depuis la sortie d'autoroute. Ah, moi j'en peux plus. Ouais. Et en plus, Sabine n'a pas voulu que je pique le dernier petit suisse à Mathieu. Non. Qu'est-ce qui fait chaud? Elle est bien la baraque, hein? Oui. Ouais. Vous vous êtes baigné? Non, parce que moi j'y vais direct, hein. Hé, hey, je suis à 1,25 en apnée. Record à battre. Ah ouais, bah, ouais, tu vas battre, hein. Tu vas... Bon, tu le défi? Ça a été la route, pas trop longue? Bah si, un peu. En plus, il a été malade. Voilà, forcément, moi aussi. Non. Donc, c'est bon, ces machins, là. Hein. Pierre, ils sont où, les brassards? Ouais. On a décidé de faire les bébés nageurs avec Bill. Il va se régaler, Mathieu. Pierre, tu viens m'aider? Bon, ouais. J'y vais. À tout à l'heure, les copains. Salut, à tout à l'heure. Ça a été la route, pas trop long. Attends, la question qui tue. Quoi, la question qui tue? Attends.
Ils sont partis à 6h, il est 19h, 13h pour faire 650 km. Ouais, t'as vu la tête qu'ils ont? C'est bien simple. Même le bébé, pour te dire bonjour, il te crache dessus. Hey, donne-moi le droit à porter ses bagages au lieu de m'emmerder, toi. Hé, hey, Fabienne. Mmh. Toi qui disais qu'ils avaient de la place dans leur voiture parce qu'ils étaient que deux. Bah, viens voir, tu vas comprendre. Ouais, tu me raconteras, hein, d'accord? En tout cas, il a changé. Hein. Oh, c'est fou, hein, non? Damien? Oh non, il a toujours été aussi chiant. Mais non, pas Damien. Mathieu, le bébé. Oh, il a grandi, hein? Hein? Je sais pas, qui l'a vu qu'une fois? Et toi, ça te donne pas envie? De le voir plus souvent? Non, un bébé, ça ne te tente pas? Là, maintenant? Non. Ah oui, c'est drôle parce que. À ton âge, tu devrais être... À mon âge. Attends, excuse-moi, Fabienne. En fait, je veux dire qu'il paraît qu'à partir d'un certain âge, on a une horloge hormonale qui s'accélère. Enfin, il paraît, hein. Ouais, je sais pas. Ça doit pas être à l'heure année. Et sinon, des nouvelles de Patrice? Il nous rejoint bientôt? Ouais, bientôt, ouais. Mmh. Bientôt. Oula, tu devrais pas faire ça. De quoi? C'est le roman de Damien? Oui. Je suis pas sûre qu'il veuille que tout le monde le lise. Tout le monde, je ne sais pas, mais en tout cas, à moi, il m'a demandé mon avis. Ah bon? T'es sérieuse? Non, pas exactement. Je suis lectrice pour une chaîne de télévision au département de la fiction, et du coup, il m'a demandé mon retour. Mais oui, tiens. Mais vous êtes restés combien de temps ensemble, Damien et toi? Il avançait On était à peu près à la moitié quand on était ensemble. Ah, j'en sais rien. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il l'a pas fini. Mmh. Dis-moi, Damien et toi, non? Ouais, faut que je téléphone, hein? Juste, d'accord? Je dis simplement que si tout le monde va te demander... Ça va vite devenir insupportable. Personne. Attends, il y a une super ambiance. C'est toi qui leur annonce? Ah bah oui, pas de problème. Attends, mais ça va pas du tout avec cette chambre, elle est beaucoup trop petite. On va jamais dormir à trois là-dedans. Mais on va s'arranger, t'énerve pas. T'énerve pas? Arrête avec cette expression, ça m'énerve. Tu vois, il n'y a pas de piscine, et il y a une super ambiance, hein. Bon, allez, viens, on va se baigner, ça va nous détendre. Et dis, Franck, t'as toujours pas rappelé le propriétaire? Ah non, toujours pas, hein. Mais au fait, il t'a toujours pas rappelé le propriétaire? Non, toujours pas. Elle est vraiment pourrie, cette baraque. Oh. Moi, j'y vais comme une bombe, hein. C'est pas possible. C'est insensé cette histoire. Mais c'est hallucinant cette histoire. Ça va mieux? Heureusement, j'avais mon requin, c'est un anti-choc. Il dit quoi le propriétaire? Il dit que dans le contrat, il y a marqué maison avec une piscine, mais il n'y a pas marqué piscine avec de l'eau à l'intérieur. C'est fichu alors? Non. Je lui ai donné 24 heures pour trouver une solution. Sabine qui se faisait un plaisir de retrouver la ligne en faisant des longueurs, ben, elle va pas aimer. Elle ne va pas aimer du tout. Ah, écoute, au pire, on paiera qu'une partie de la location, qu'est-ce que je te dis? Mais Franck, c'est pas une question d'argent. C'est un... Il y a un vrai préjudice, là. Préjudice? Ouais, c'est ça. Appelez ça comme vous voudrez. Ce qui n'empêche que cette grande cuve vide, ça va vite nous taper sur la tête. Moi, je confirme. J'ai réussi à choper un coup de soleil en même pas une demi-journée. Record battu. Hein. Alors, j'ai pris de la crème hydratante là, dans la salle de bain, je sais pas avec qui elle est, mais bon. Ça va, Pierrot? Et toi,
T'as déménagé de chambre? Ouais, tu sais, moi, j'ai juste que mon petit bermuda à déménager, hein, et comme je le porte sur moi, c'est rapide. Je suis désolé, Damien. C'est Sabine qui trouvait que c'était mieux qu'on soit à côté des toilettes. C'est pas grave, écoute, moi je m'en fous de la chambre. Hein. J'ai pris la première venue en arrivant cette nuit, c'est tout. C'est vrai que entre la piscine et puis la chambre de bonne, je sens qu'elles vont pas me coûter cher ces vacances. Hein. Et puis Franck, fais gaffe, hein, parce que je n'arrête pas d'éteindre les lumières derrière toi. Et puis Fabienne, pareil. D'ailleurs, elle est où Fabienne là? Ah oui, elle téléphone. Je comprends pas comment elle fait. C'est simple, hein. Tu prends le téléphone, tu fais le numéro, tu appuies sur le bouton appel, et puis voilà. Hein. Comment tu sais comment ça marche, quand il n'y a pas de portable? Et tu sais, tu peux en acheter un, maintenant ça coûte plus rien ça. Non, mais tu sais, moi c'est pas une question d'argent. Hein. J'ai pas envie d'être prisonnier des autres. Mais dis bon. C'est toi qui sens le bébé comme ça? Bon, bah finalement, tant pis pour le bain, il s'est endormi. N'empêche qu'il va falloir que je rachète du lait hydratant pour Mathieu. Je comprends pas, il y a presque plus rien dans le tube. Je me demande si elle a pas fondu dans la voiture. Dis donc, c'est quand même pas toi qui l'aurais bouffé. Oh, mais qu'est-ce que tu t'es fait? Je me suis pris. Enfin, je suis tombé là. Oh, Damien, excuse-moi pour tout à l'heure. Hein. Je t'ai un petit peu sauté dessus pour la chambre, mais bon, reconnais, c'est quand même plus pratique. On dort dans la grande chambre avec le petit. Ouais, enfin, tu sais, moi, je sais pas, je suis en bébé, mais bon, je penserai peut-être pour la prochaine fois que. Ah, yo, qu'est-ce qui fait chaud? Ça fait plaisir d'être là, hein. Mais elle a combien dans ta piscine? Bah, c'est variable, hein. En plus, là, elle est basse. Il a encore loupé son train. J'ai rien dit. Hein. Oh. Franck, il t'a toujours pas rappelé le propriétaire? Ah non, toujours pas, non. Bon, en tout cas, moi, je vais t'éclater peut-être. Ah, attends. On boit l'apéro d'abord. Eh, je nous ai acheté deux bouteilles de champagne cet après-midi. Hein, quoi? Deux bouteilles de champagne? Ton excès, là. Tu vas nous dilapider la caisse commune, là. Non, t'as pas encore mis un rond dedans. Eh, c'est pas la caisse commune qui a payé. Hein? Non, bah, je rigole. J'adore ça, moi, le champagne. Ah, et puis il y a des fautes de chlore dans la piscine. On a qu'à y mettre des bulles, hein. Comment ça, des fautes de chlore dans la piscine? Ah oui, c'est vrai, t'es pas au courant, toi. Ah ouais, non, mais bois un coup d'abord. Pour quoi, ouais, exactement. Oui, vas-y Franck, explique à Germaine et à Sabine, parce que nous on sait pas. Hein. Et c'est toi qui as vu la baraque. Hein. Ah oui, pas de problème. Bon, alors voilà, j'ai eu le propriétaire, là, qui m'a appelé pour m'expliquer que... Bon, visiblement, c'est une histoire complexe. Il y a eu un problème de filtre et de chlore, et du coup, le pH de l'eau, c'est ce qui mesure l'alcalinité ou l'acidité. Enfin, voilà, donc c'était pas bon du tout, et voilà, ils ont dû la vider, ou je sais pas quoi, enfin bon. Bref, c'est ce qu'il m'a expliqué, moi je suis pas un spécialiste de piscine. Bah, t'es pas non plus spécialiste de langue française, hein, parce que moi j'ai rien compris là. C'est quoi le problème avec cette piscine? Prends un verre d'abord, pour noyer ton chagrin. C'est d'ailleurs le seul endroit où tu pourras te baigner cette semaine. Sabine, le problème avec la piscine, mais c'est qu'elle est vide. Comment ça? Vide? Oh là là, elle est courageuse, la Géraldine. Mais qu'est-ce que tu crois? L'insouciance de la jeunesse. Non, mais attends, moi je vais pas voir ça. Non, mais arrêtez, faites pas cette histoire, hein. C'est pour un monstre, ma femme, quand même. Elle va comprendre. En tout cas, ça fait plaisir d'être là, hein. Ah, ah ouais, ça fait plaisir d'être là, hein. Voilà. Bon ben, on trouve que... Oui, je vais chercher le champagne. Allez. J'espère qu'elle est encore fraîche. Hop. Ouh. Hop là.
Pierrot. Sabine. Bon, allez, bon, bah allez, ah, bien, allez, allez, à nous, allez, allez, aux vacances, aux vacances. Et là, c'est vacances. Tu ne veux rien? Bah, Sabine, tu prends pas du champagne avec nous? Ah oui? Vous faites quoi exactement? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est comme on t'a dit, il y a eu un problème avec le filtre. Et comme il fait très chaud, l'eau est devenue toute verte et comme c'est toxique, eh bien, ils l'ont vidé. Oui, et ensuite? Ensuite? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette grande cuvette à chiottes au milieu du jardin? Ça fait quand, propriétaire? Demain, normalement. Monsieur Rodier? Oui, Franck Monnier à l'appareil. Oui, je vous écoute, oui. Oui? D'accord? Oui? Très bien. Bien. Je vous remercie. Au revoir. Bon. Il nous a écoutés et il a trouvé une solution. Donc, en fait, en contrepartie, on peut rester 10 jours pour le prix de 7. Il me l'a garanti. Ah non, merci. Moi, quand on me sert de la merde à manger, je redemande jamais durable. Moi, il va falloir que je me trouve un endroit pour me baigner parce que ça va vraiment pas être possible. Je passe. Bon, Franck, prends-moi mon argent, là, parce que... Attendez, au risque de vous choquer, je trouve qu'il faut prendre cette mauvaise nouvelle avec philosophie. Oui. Enfin, quoi, on va pas se pourrir la vie à cause d'un trou au milieu du jardin, hein? Le principal, quand même, eh bien, c'est qu'on soit content de passer nos vacances ensemble, non, hein? Non, finalement, je passe pas. Arrête! Yes. Là, il y a le baigneur qui est contrarié. Ah bon, mais qu'est-ce qu'on dit? Attends, regarde.
authentique et délicieuse, découvrez la région des taureaux noirs et des chevaux blancs. Parcourez nos vallées, nos gorges et nos marchés. Laissez-vous baigner dans ce festival de couleurs. Au pays des cigales, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Étonnant. Des taureaux noirs. Ah, il a adoré ça, Mathieu. Hein. Pardonne-moi, Pierre. Enfin, j'ai vraiment pas prévu de visiter la région avec un soleil de plomb, hein, avec un bébé de 4 mois. Non, mais c'est vrai, arrête de te voiler la face. Il n'a jamais été question qu'on vienne ici pour visiter, mais pour se baigner. On va pas pouvoir se baigner. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, mais attends, on n'a que l'embarras du choix. Par exemple, on a la fête du melon à Cavaillon. On a le printemps du livre de Saint-Martin-de-la-Brasque. On a le marché nocturne à Saint-Didier et on a le concours de pêche à Caumont. Tu sais ce qu'on va faire? On va visiter le Chopi. Chopi, c'est où ça? Tiens, tu notes. Eh hey Pierre, moi tu pourras me prêter ta crème solaire, hein, parce que j'ai tout oublié. Yaourt, hein, pomme, hein, banane, hein, courgette, hein, melon, café, lessive. Ah oui, des éponges. Faut absolument qu'on prenne des éponges. Avec ou sans gratteur? Et vous faites un jeu? Les deux. Crème fraîche, moutarde, sopalin. Ah, je prendrai bien de la faisselle. Oh oui, bonne initiative. Et lait de soja, n'oublie pas. Ah oui, oui. Du lait de soja? Tu bois ça, toi? Attends, c'est dégueulasse. Tout le monde prend la tisane, non? Non, je crois qu'il y a que toi. Oui, bah, écoute, jasmin, fruits rouges. C'est ce que je préfère. Tu peux me prendre des céréales? Ah, je vais prendre du muesli. Du muesli? Oui, non, mais muesli. Moi, je préfère les céréales. Du muesli. Ben voilà, je crois qu'on est bon. D'accord. Bonjour. Ça va, Damien? Ouais, ça va, ouais. Ben, c'est les courses communes. Oui, on va y aller, là. T'as besoin de quelque chose? Allez, bon, j'ai intérêt à bouffer des yaourts, hein, si je veux amortir ma participation. Pourquoi t'es pas ça, les yaourts? Non, j'en mange jamais. Bon, ben, si tu veux, on les paye à part. Non, attends, on va pas commencer à tout diviser, là. Tiens, par contre, si tu peux me prendre du déo. Du déo, c'est bon. Et puis, des rasoirs, également. Des piles. 12, hein. Ah, et puis si tu pouvais me trouver des tongs, là, tu vois, c'est gentil. Tu me diras combien chez toi, évidemment. Non, mais pas de problème. Ah, dis donc, je suis vraiment content d'état, tu sais. Bon, on y va, Pierre, maintenant, hein? Tu vas changer Mathieu? Oui. Allez, viens, mon pépère. Viens, mon bébé. Bien dormi, c'est un grand mot. Hein. Je sais pas ce qui se passe, le lit il est trop mou. Et toi, ça a été? Bah, moyen. Ah, elle est trop petite. Non, la chambre, ça va, donc c'est le lit, quoi. Après, il est super dur. Tu vois, il est pas trop long. Il est large. Il est pas trop long. Du coup, je dors en diagonale, comme ça. J'ai les pieds qui dépassent. Ouais, ils sont mieux. Sinon, vous auriez pas une prise contre les moustiques, hein? Si, mais on s'en sert pour Mathieu. Bon, qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Oh, mais il en met des heures. Il est lent, des fois. Bon. Salut! Ah, bonjour! Salut. Ah, bien dormi? Salut! Ben, pas beaucoup. Et vous? Non, pas du tout. Il y a un problème avec la literie de notre chambre. Ah. Ouais, si tu veux, on échange, hein. Bon, salut la compagnie. Ah. Allez, on y va. Ouais. Vous allez où? On va faire les courses. Ah bah attendez-moi, moi je suis avec vous.
prends un café, puis on y va. Ah bah si tu veux. Non, Pierre, je préfère qu'on y aille maintenant, parce qu'après, si on attend trop longtemps, ça va fermer, puis on n'aura rien à manger pour ce midi. Mais attends, j'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour 5 minutes, je te dis. Non, Pierre, on y va maintenant, parce que moi, après, j'ai le biberon de Mathieu. Ah mais c'est pas grave, ça. Ah non, mais moi, je veux bien le garder et lui donner son biberon. Et puis comme ça, vous faites vos courses tranquillement tous les deux, non? Gégé, c'est pas de couper, Mathieu. Alors, sans vouloir te vexer, je te fais pas trop en nounou, hein? Alors lui, il sait parler aux femmes. Hein. Ok. Bon, on y va? Hein? Attendez, on prenait un café, on s'est à peine vu. Mais pourtant pas difficile à voir, on est debout depuis 6 heures. Je vous ai entendu à 5h30. Bon bah on y va tous dans un quart d'heure faire ses courses là. Bon il a raison. Allez, prenons un café ou un thé, hein, non? Bah moi je reprends une petite brioche parce qu'elles sont vraiment très bonnes. Hein. Regarde, on est bien là quand même, non? Hein, même Mathieu est bien, mon bébé. Allez Bine, détends-toi. Ah non, ne me dis pas de me détendre, parce que tu n'imagines pas à quel point je prends sur moi, là. Hein. Non, mais bon, reste ici si tu veux. Je vais aller faire toute seule ces courses. Non, on y va. Bon, bah, vous avez besoin de quelque chose en particulier? Ah bah oui, une piscine avec de l'eau dedans. Par contre, pour ce soir, ne prévoyez rien, hein. J'irai faire le plat de petites saucisses chez le boucher, en barbecue. Hein? Ah oui, des saucisses, t'es sûr? Ah oui, pourquoi, ça va pas? Si, ça va très bien aussi. T'as pas l'air, s'il te plaît? Non, c'est-à-dire que... C'est pas ce que j'avais prévu, quoi, mais bon... Ah bon, écoute... C'est pas grave, hein. Mais change pas tes plans, hein, on se fera ça demain soir, hein? Super. Non mais... Comme ça, t'avais prévu quoi? Ah, moi j'avais prévu une ratatouille. Ah, une ratatouille? Non mais attends, mais il fait 40 degrés, hein. Non, on mangera à l'intérieur. Bon, à tout à l'heure. Et quand t'as quelque chose dans la tête, hein? Oh là 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 là. Non mais attends, j'espère juste, tu vois, qu'elle a pas décidé de nous faire chier. Parce que là... Merde. Non mais attends, pour une fois que je parle pas de toi... Hé, doucement là, j'ai mal au dos là. Ben, il est pas encore midi, t'es déjà en train de mourir, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, j'ai déménagé, j'ai changé de chambre, j'ai dormi dans un lit pour adolescent. Ça, c'est la punition quand tu viens en vacances seul, célibataire, au milieu de plusieurs couples. T'as la plus petite chambre. Toi, t'es plutôt en moitié de couple. Hein. De toute façon, s'il vient pas, hein, pour Patrick, hein, il sera tout à fait légitime que tu prennes une petite chambre ce soir. Eh ben, j'ai pas du tout envie de déménager. Est-ce que tu crois que j'ai envie, moi? Toi, tu déménages tout le temps. T'adores ça, déménager. Tu t'en fiches? Vous avez déjà flingué la brioche? Ah mais faut pas se lever en dernier ici, c'est la guerre. Nous aussi on se met juste, on est assez pion, il n'arrête pas. Ah ouais, qu'est-ce qu'il bouffe? Ah ouais, c'est impressionnant ça. Eh, on va avoir un budget brioche là. Bah du coup Fabienne, tu veux un café? Et puis c'est pas moi qui l'ai fait, celui-là. Vous avez bien dormi? Bon, nous, pas beaucoup, hein. C'est ça, pas beaucoup, oui. Et toi? Moi? Oh, il fait très chaud dans ma chambre. Si tu veux, on échange. Et alors toi, forcément, t'as très très mal dormi. Ah oui. Ouais. Comme eux, là, tu vois, pas beaucoup. Comment ça, comme nous, pas beaucoup? Ben, qu'est-ce que tu fais, toi, tout seul dans ton petit lit? Mais, tu sais, j'ai déménagé, hein. J'ai changé de chambre. Je suis votre voisin. On a une cloison commune. Donc je dépends pas mal de vos activités nocturnes. Quand vous ne dormez pas, je ne dors pas. Oui, forcément. Forcément. Génial! C'est vrai, ça te tente! Non, génial, je capte! Bon, allez, va
Bah, je vais aller, du coup, je vais aller faire un tour au village. Je vais aller acheter des cartes postales. T'en veux, Fabienne? Quoi? Des cartes postales. Ah non, merci, j'ai pas d'amis. Damien? Oh, j'ai pas d'idée, là. Chou? J'ai pas le temps. Oh, bon, bah, moi j'y vais. On se croise à peine, il dort à la maison, on se voit pas trop. Écoute, demande à Géraldine, elle peut savoir. Je sais pas comment il fait pour persévérer comme ça. Bah, c'est simple, il y croit. Et moi, j'ai pas tenu plus de 2 mois avec mes ambitions littéraires. Bah, lui, il s'accroche. Ah, j'adore ça, on se le dit, bah, il sait faire que ça. Ah, qu'est-ce qu'il a pu me saouler avec sa prose, là. Fallait que je lise tout le temps, tout de suite. Tu te saoules pas avec ça? Mais il m'a jamais rien demandé de lire, non? Ça va mieux? Ouais, je sais pas, j'ai eu un coup de chaud. Bon, ça c'est la prose de Damien. Quand on a pas l'habitude, ça assomme. Alors, t'es resté trop longtemps au soleil. Mais non, c'est pas ça le problème. Oui, je sais, c'est la piscine, elle est vide, c'est de ma faute. Arrête avec ça! Mais non, mais... Tu veux pas qu'on aille au lac tous les deux se baigner? Non, non, j'attends un coup de fil, là, c'est la catastrophe, je comprends. Oh, d'un coup, tu le rappelleras ce soir, Franck. Moi, j'en ai marre de faire des brasses dans la baignoire. Hein. Je viens de te dire qu'il fallait que je passe un coup de fil, Gégé, écoute... Franck, j'ai un truc à te dire. Allô? Christophe? Oui, c'est moi. Tu m'entends? Non? Attends, bouge pas. Franck, s'il te plaît. Et là, c'est mieux? S'il te plaît. Ah, allô? J'ai 2 secondes. Attends, Christophe? Oui. Attends, là, c'est mieux, là? Bon, d'accord. Oui, ok. Tu m'entends? Je bouge plus. Oui, vas-y. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Non! Non! Mais c'est pas du tout ce que t'es confondu! Attends, bouge pas, Christophe! Mais qu'est-ce qu'il y a, Gégé? Attends, bouge pas! Mais qu'est-ce qu'il y a? Je me sens super fatiguée, j'ai mal au ventre et j'ai vomi 2 fois ce matin. Tu comprends ce que je veux te dire? T'as la gastro? Allô? Attends, bouge pas, je pars pour la piscine. Je capte mieux là-bas. Oui! Allô? Sabine! Dis-moi, t'as pas acheté de cacahuètes ni de chips finalement? Non merci, j'ai pas envie d'être obèse moi! Non mais attends, mais moi si je veux mourir un gros? C'est dégoûtant les cacahuètes! T'es pas obligé d'en manger! Bon, écoute, regarde donc dans le placard dans la cuisine, je crois que j'ai acheté des graines de courge et des bretzels au quinoa. Quinoa? Qu'est-ce que c'est que ça le quinoa? De la mer! De la mer! Super ambiance hein! Ça va pas, t'es toute blanche. Ben, je me sens super fatiguée, j'ai mal au ventre et j'ai vomi 2 fois ce matin. Ah, ouais. Ah, t'es enceinte quoi. T'es enceinte. Chut. Oh là là. Oh la galère.
Non, pas. Je Non, pas ici, à Paris. J'imagine que tu vas bien t'installer chez Franck. Ah bah oui, enfin je sais pas. J'y vais pas penser. Enfin, je veux dire, il faudrait déjà qu'il soit d'accord. Ah bon, qu'il soit d'accord pour que tu viennes t'installer. Aussi, oui. Ah, oh, tu lui as pas dit tu... Oh la merde. En trompe, papa. Oh non, tu sais que t'es une grande malade, toi. Oh, il croit que j'ai la gastro, qu'est-ce que tu veux. Ah non, mais il va falloir que j'ai les lâches, moi. Eh ben moi, il va falloir que je me trouve un endroit pour me baigner, pour me détendre, parce que là, j'en peux plus. Tu veux pas venir avec moi? Où ça? Mais je sais pas, me baigner dans le lac, là. J'ai vu sur le guide de Pierre qu'il y avait un petit lac à 20 minutes d'ici. Bah, et Franck? Franck, il préfère passer son temps au téléphone avec ses collègues de boulot. Il a un problème de douche à régler. Oh, mais bah, comme Pierre, quoi. Pierre, pourquoi? Pourquoi Pierre? Ah oui, il change de couche, hein, depuis ce matin. Je sais pas s'il prépare un record ou un concours, hein, mais il en est moins à sa 10e de la journée. De la diarrhée. La diarrhée. C'est qui Noah, ça? C'est qui Noah? Mais dis-moi, il est propre ton bac? Écoute, je sais pas, moi je connais pas. Mais il fait tellement chaud, c'est histoire de faire une petite trempette comme ça, à poil. Mais bon, si tu veux pas venir, je... Ah si, ouais, super idée, voilà. Écoute, je vais chercher mes affaires. T'es pas en train d'écrire? Je vais me baigner, là. Ah, la piscine est réparée? Non, je vais au lac. Tu veux venir? Au lac? Ah, non, merci. Alors, comme ça, tu t'es trouvé une nouvelle lectrice? Ouais. Et elle lit bien? Bah, elle a un bon œil, je trouve, et puis elle me fait des critiques positives. Tu vois, ça change. Oui, forcément. Elle te dit que c'est bien, donc elle a un bon œil. Et t'as le droit qu'elle m'a pas beaucoup encouragé. Tu me demandais pas mon avis? Tu me demandais de trouver ça parfait. Damien? Ouais. Tu viens? Vous y allez tous les deux? Ouais. J'ai avec vous. Hey, tu peux prendre mon sac, là, s'il te plaît? Ouais. Je suis dans une merde! Oh, bah ça! Je suis désolé, Gégé, mais... C'est pas grave, moi, je te pardonne, Franck. Hein? Ah non, mais c'est pas ça, mais là, il faut que je passe un coup de fil et... enfin bref, j'ai quelque chose à te dire, mais... Ah bah ça tombe bien, parce que moi aussi j'ai un truc à te dire. Tu viens avec nous? Non, il faut que je passe un coup de fil et... enfin bon, bref, ce que je veux te dire, c'est que ça merde complètement ce contrat et si ça continue à déconner avec mes couches, là, il va falloir que je rentre à Paris. Quoi? Non mais attends, tu plaisantes là, Franck? On vient d'arriver. Oh non. Et une petite semaine de vacances par an et... Oh non! Écoute, je suis désolé, mais c'est la boîte qui est en péril, là. Je pars 48 heures max. Je fais l'aller-retour en train, mais reste ici, si tu veux. Hein? Tu voulais me dire quoi? Rien. Aussi, tiens, plutôt. Tu réalises que ta maison de vacances sans piscine est pourrie, et puis tu quittes le navire. Ben voilà, c'est minable, Franck. Minable. Écoute, c'est pas dramatique. Je pars 2 jours max. Hein, je serai rentré pour la fin de la semaine. Ok. T'as pas besoin de moi pour bronzer ici? Hé, hey, il sait parler aux femmes. Je te préviens, Franck. Hein. Moi, j'y vais. Hein. Géraldine! Oui, allô? Monsieur Dervaux? Vous m'entendez? Ne quittez pas. Vous m'entendez? Ne quittez pas quand même, oui. Allô? GG! Bon, hé, Franck, là. Allez, va te baigner, là, j'insiste. Allô? Oh, merde, j'entends rien. Hein? Non, mais c'est pas vous que je parlais, monsieur Dervaux. Mais vous m'entendez, là, alors? Hé, Franck, là. Bon, allez, un bon plongeon dans l'eau, tu vas voir, ça va te détendre. Vous m'emmerdez avec votre baignade, hein. Je vais vous en trouver une piscine, oui, je vais vous en trouver une. Allô? Oh, c'est...
C'est pas vrai! Vous voulez déjeuner dans combien de temps? Oh, j'en sais rien, je me lève juste, j'ai pas faim. Et les autres, ils déjeunent? Je sais pas, ils sont partis se baigner. Où ça? J'en sais rien. Enfin, tu sais rien, quoi. Allô? Allô? Oh! Ça va? Ouais, c'est bon. Non, il te va vraiment bien, cette cuisine là. T'es toute belle. Oui, mais avec les cernes que j'ai ce matin, je dois être très appétissante, certainement. On déjeune? Oh non, j'ai plus faim. Tu vas où? J'ai trop chaud. Je vais visiter ma chambre. Bonne idée, je viens avec toi. Ah non, Pierre. J'ai pas du tout envie de réveiller Mathieu, ok? Tous les deux, et puis ça sera beaucoup plus simple, hein?
Dis-moi, tu la trouves un peu chiante, Sabine, en ce moment? Ah oui. Ouais, mais attends, c'est pas facile pour elle, tu sais, avec Mathieu, hein. C'est du boulot, c'est fatigant. Vous vous rendez pas compte, vous, mais ça change tout à bébé, hein. Attends, Pierrot, tu me demandes si Sabine est chiante en ce moment? Je te dis oui, c'est tout. Et si tu veux pas avoir mon avis, tu me poses pas la question, puis voilà. Hein? Elle est un peu tendue, c'est vrai. Mais avoue que ton histoire de piscine, ça n'a pas arrangé les choses, hein. Ah, bah voilà, tiens, nous y voilà. Bah c'est vrai. Attends, Pierrot, tu vas quand même pas me dire que la piscine est la seule responsable des sautes d'humeur de Sabine, quand même? Je dis pas ça. Mais ça a pas aidé à la détendre. Ça, je te confirme que ta femme, elle est pas sur la voie de la décontraction. Ça? Bah, il faut la comprendre aussi. Non mais attends, mais elle aussi, faut qu'elle comprenne qu'on est tous dans le même bain. Attends, mais moi aussi, je suis aussi tracassé qu'elle par cette histoire de piscine. Je prends une semaine de vacances par an. Et crois-moi, je me serais bien passé de cette mauvaise plaisanterie. Je sais, je sais. Bon, écoute, on arrête là. Hein. Je passe déjà assez de temps à m'engueuler avec elle, je vais pas commencer aussi avec toi. Pas vous deux. Si, ça va. Simplement qu'il faut qu'on trouve du temps pour notre couple, quoi. Qu'on réalise que 1 plus 1 égale 2 et pas toujours 3. Enfin, qu'on ait du temps pour nous, quoi. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais quel bonheur, les enfants. Quel bonheur. Eh, hey, vous avez pas envie? T'es fou, toi, t'as pas de malheur! Attends, GG, ça fait que 2 ans qu'on est ensemble! Eh oh, chacun son appart, hein! Attends, GG, c'est une gamine! Non mais franchement, tu la vois maman, toi? Ah oui? Pas moi! Ah, ça, c'est parce que tu te vois pas papa, toi! Ah non, c'est pas ça! Non, c'est pas ça! Eh, c'est une fille bien, Géraldine, tu sais? Oui, mais bon, et puis tu comprends, avec Damien à la maison, tout ça sera pas simple quand même. Non mais attends, tu comptes l'héberger toute ta vie? Non, mais je veux pas le mettre devant le fait accompli non plus, je vais pas le foutre dehors là comme ça du jour au lendemain quand même. Hein? Tu sais Franck, entre le moment où tu décides de faire un bébé et le moment où il arrive, il se passe au moins 9 mois. Hein? Alors il aura le temps de rebondir, Damien. Hein? Oui, mais... Enfin, vous êtes parents, vous, les néo-parents. Sous prétexte que vous avez des gamins, il faut être tout le monde en face à la seconde. Attends, Pierrot, j'ai un boulot, moi. Bah, qu'est-ce qu'il a? Oh, écoute, il a perdu son canard. Ah, ben le voilà, tiens. Tu devrais t'essuyer les mains parce qu'il a fait pipi dessus tout à l'heure. Dis donc, c'est toi qui l'as mis là, Milan? Voilà. Tu lui ramènes et maintenant tu te débrouilles pour le rendormir. Hein. Parce qu'alors moi. Allez! Ah, dis donc, ça sent mauvais ici. Hein. Je confirme, il beaucoup, oui. Ça, c'est le tabac froid. Hein. Ah. Non, c'est le caca froid. Non, fume pas ici, s'il te plaît. Attendez en plein air. Si je peux pas fumer à l'intérieur, la logique fait que je fume à l'extérieur, non? Non, tu dois faire comme Pierre. Tu dois arrêter, regarde. Ça sent tellement mieux. Vraiment? Ah oui, vraiment. Non, puis c'est vrai, il a retrouvé le goût des aliments, il respire mieux, il n'est plus du tout essoufflé quand il fait du sport, hein. Il fait du sport, Pierrot. Oh, énormément. Mais il fait quoi? Oh, mais il arrête pas. Non, mais c'est vrai, ils se sont beaucoup plus détendus depuis qu'il fume plus, hein. Mais non, mais ça, c'est la paternité, ça, hein. Et sinon, la maison, ça vous plaît? Celle-là, là? Non, la meuf, c'est qui? J'ai compris que... Ah, la nôtre. Ah, m'en parle pas. Quel chantier. Alors la salle de bain est pas terminée, il y a des fils qui traînent partout, en plus le ballon il a pété juste avant qu'on parte. Bah Mathieu, sa chambre est toujours finie non plus, non franchement, il y en a partout. Je sais pas dans quoi on s'est mis, hein. Bah alors on s'y est mis. Hein. Et puis, ton copain,
Pas le roi des bricoleurs, hein. Bon. Ça y est. C'est rendormi. Ah, je vais faire comme lui. Oh. Dis-moi, chérie, là, ça t'ennuierait d'aller faire 2-3 courses, hein? Oh, putain, tous les jours! Non mais attends, c'est une manie! Tu peux pas le laisser dormir, ton bonhomme! Tu vois, moi, j'ai prévu de faire des longueurs pendant mes vacances. Et comme je vais pas pouvoir les faire dans une piscine, je vais les faire derrière un caddie. Bon, tu peux y aller, tiens. Il y a beaucoup de choses à acheter? Bah, pour ma vie, 3 fois rien, comme d'habitude. Du coton, des compresses, de l'eau, 2 packs d'eau, bah tu reprendras des yaourts, du lait gratin pour Mathieu, évidemment. Enfin, comme d'habitude, quoi. Bah, hey, allez-y tous les deux, moi, je vais rester ici avec Mathieu, si vous voulez. Bah oui, de toute façon, il dort. Bah, oui. Hein, on en a quoi, prends un quart d'heure. Allez, Bine, il faut y aller, il faut te forcer un peu, hein. Bon, on fait vite, hein. Bon, écoute, si jamais il pleure, tu m'appelles, ok? Bon, on en a pour 10 minutes, hein. T'as remarqué, je dis un quart d'heure, elle a dit 10 minutes. Mais ma chérie, si on s'absente une minute, ça compte pas. C'est comme si j'étais aux toilettes pendant que tu prends ta douche. Mais enfin, tu sais, depuis qu'il est né, je prends plus ma douche, moi, quand t'es aux toilettes. Hé hey, allez-y, là, il y a plus que 9 minutes. Bon, allez, y va. Hé, Pierrot, tu pourras m'acheter des clopes, s'il te plaît, puis des petites saucisses chez le boucher. Hein? Ouais, d'accord. Oui, allô? Oui, bonjour, oui. Oui. Oui, oui. Oui, très bien, oui, je vous remercie. Oui. Oui. Comment? Ah, attendez, ne quittez pas, ne quittez pas. Oh. Comment ça marche ce truc là? Oui, je vous écoute. Oui. Je savais, de toute façon, j'ai tout de suite trouvé suspect. Tu trouves tout suspect. Non mais attends, hey, à moi, qu'un endroit où il n'y a personne, c'est louche, non? C'est un peu comme dans la piscine, il y a sûrement un truc radioactif ou toxique. Ils ont pas vidé l'eau du lac. Si ça se trouve, on est dans une région totalement sinistrée, et puis on le sait pas. T'avais l'air plutôt content que les personnes autour de ce lac. Ça t'a permis d'apprécier Géraldine sous toutes ses coutures, hein? Ah ouais, Léo, ouais. C'est vrai qu'elle est pas pudique, hein. Et puis elle est bien foutue. Ouais. Mais tu remarqueras que les gens bien foutus sont pas pudiques, hein. C'est une bonne chose, d'ailleurs. Alors, ça se voit que t'as pas mis souvent les pieds sur une plage de nudistes, hein. Elle exagère quand même. Elle en fait un peu beaucoup, non? Tu trouves pas? Non, tu trouves pas. Bon, tu l'as vu avec son petit air. Ah oh, zut, j'ai encore oublié mon maillot. Non, mais je crois qu'elle a pas de maillot. Hein. C'est quand même dommage que la piscine soit vide. T'aurais pu profiter du spectacle tous les jours. Comment? Pourquoi tu dis ça? T'es jalouse, hein? Jalouse? De quoi? Oh oui, ça t'embêtait là que j'aille tout seul avec Géraldine au lac. N'importe quoi, t'hallucines. Si, t'es jalouse. Ouais, attends, ouais. J'ai l'œil, hein. Je connais un petit peu mon pouvoir rapide. Ah, ben on dirait pas, hein. C'est prétentieux.
tu voudrais pas me remettre un petit peu de pansement parce que ça me fait super mal là. Je suis venue avec vous parce que c'était ça. Ou aller acheter des yaourts avec sa mère. Encore des yaourts. T'es sûr qu'il va venir ton mec là? C'est vrai que partager son temps entre une piscine vide et la présence de mon ex, c'est vrai que ça l'a un peu refroidi. Il va pas venir. Ah, j'en étais sûr. Il va pas venir. Détrompe-toi. Il sera là demain après-midi. Attends, mais il fait quoi comme boulot là pour être si occupé là? Un peu comme Pierre, dans l'immobilier. Attends, mais Pierre, il est conseiller clientèle dans une banque là. Oh oui, Dis, je peux te poser une question personnelle? Bah oui, vas-y, je t'écoute. T'es sûr? Ah oui, vas-y. Il s'est passé quoi avec tes tontons? Bien mes tongs. T'aimes pas mes tongs? Non mais vraiment. Non mais quel con ce mec là. Mais attends, mais qu'est-ce que j'ai dit là? Attends, bouge pas. Attends. Qu'est-ce qui se passe là? Bah voilà, tu vois, Franck repart demain matin à Paris par le train de 7h17. Ah ouais. Elle dit, c'est pour le train que Patrick a loupé là. Détends-toi. Ça fait 6 mois qu'il nous laisse cette toute petite semaine de vacances. Franck nous a aussi promis une piscine. Franck reste Franck, hein. Et ce qui veut dire? Franck, vaut mieux l'avoir comme copain, comme à moi. Et qu'est-ce que t'en sais, toi? T'as vu la tête que tu fais? J'ai pas raison. Bon, bah, puisque c'est comme ça, demain matin, je prends la voiture et je remonte à Paris. Comme ça, quand tu reviendras, je serai plus là. Hey, Fabienne, hey, profite-en, là. Hé, hey Gégé, tu voudrais pas amener Fabienne à la gare? Il y a Patrick qui arrive. Occupe-toi de tes temps, je t'ai dit. Il n'y a pas de problème, Fabienne. Moi, je t'y emmène, sans problème. Bon, alors, vous dînez là ce soir, vous allez vous baigner. Ça se passe comment, là? Parce que moi, je mets combien d'assiettes sur la table? Hé, dis donc, j'ai pas trouvé les saucisses. Vous n'êtes pas allé chez le Petit-Boucher? Oh, non. Merci. Non, mais c'est bon, on les a oubliées, tes saucisses. Ça t'arrive jamais d'oublier, toi? Attends, je t'adresse pas. Vous m'aviez promis d'aller chercher les petites saucisses. Bah, je suis déçu, c'est tout. Déçu? T'es déçu? Non, mais toi, il y a vraiment que ça qui te préoccupe, hein? Tes saucisses et tes couches. Bah, attends, GG, des vacances en barbecue, c'est pas des vacances. Ah ouais? Et des vacances en piscine, tu penses que ça ressemble à quoi? C'est vrai que pas de piscine, pas de barbecue, ça commence à faire beaucoup, là. Et vous m'emmerdez, hein? J'y vais. Ah bah tiens, super, de mieux en mieux. Je pensais que tu partais demain matin. Je vais sur la place, acheter les petites saucisses. Ah, et une piscine. Bon, en tout cas, ce soir, c'est rigolo. Faut que ça vous va. Rigolo. Alors, on a encore un plat d'été, quoi. Alors, demain, s'il y a calcul, moi, je propose fondu savoyard. Ça va pour tout le monde. Au lieu de ronchonner comme ça dans ton coin. Parce que c'est une petite bite. Exactement. Et puis j'attends Patrick là, pour faire un concours avec lui. S'il arrive à monter dans son train. Tu veux pas essayer d'avoir les tétons juste pour voir? Eh oh, doucement là, moi je suis pas responsable du menu de la soirée. Hein. Ah non, heureusement. Si ce serait que toi, tu serais capable de faire grève de la faim rien pour pas dépenser un euro. Vous pouvez bien vous taper une couscous ou une tartiflette. Moi, je m'en fous. Je quitte cette baraque pour lui. Hein? Au revoir. Non, mais attends, mais moi, je vais pas vous battre pour les courses avec Sabine. De toute façon, c'est bien simple. Elle pense qu'à elle. Elle, ses petits trucs là, ses fibres, ses légumes, son verre, sa salade. Non, mais tu m'étonnes qu'il a la chiasse, son gamin. Et puis les yaourts. Oh non, mais les yaourts, t'as vu le frigo? Rempli de yaourts. Mais moi j'aime pas ça les yaourts, j'en mange pas, tu vois. Alors, yaourt pomme, yaourt fraise, yaourt cerise, yaourt framboise, yaourt abricot, yaourt poire, yaourt banane. Mais rassure-moi là, tu dois pas me faire tous les fruits du verger, hein. Oh là là, t'as un gros succès auprès des nanas, moi.
fantôme là, qui arrive pas là. Il est mignon, Patrick. Là. Tu vas voir qu'on va se partager la 7e part. De toute façon, ouais, moi je m'en fous. Hein. Je viens que 2 ou 3 jours. Hein. Il paiera la semaine. Hein. Moi je ne paye pas ses vacances. Ah, on va pas lui faire payer ce qu'on a mangé mardi s'il arrive vendredi quand même. Et si il vient pas, c'est quoi? Que veux-tu qu'on fasse? Qu'on lui demande des arts? De toute façon, moi je m'en fous. Hein. Je ne paye pas pour lui. Hein. De toute façon, c'est vrai, c'est qui ce Patrick là? Tu le connais, toi? Toi aussi, tu tapes sur les nerfs, hein. T'es jaloux? Bah, de qui? De Patrice. Ça t'embête que Fabienne soit accompagnée, t'es jaloux? Mais n'importe quoi, non mais attends, mais hé, hey, t'avouera là qu'un mec là, qui loupe son train 3 fois de suite, il est débile ou il fait exprès, hein? Non, mais moi, tu vois, ça me rend dingue ce qui se passe, ça me rend dingue! Tu vas voir qu'on va se la partager, la 7e part! Là, il va falloir qu'on fasse le point sur la caisse commune, hein, parce que moi, je ne paye pas ses vacances. Hein. Pierre, tu vas chercher le veau? De qui tu parles? Le rico, il est prêt. Géraldine, on passe à table. Profites-en pour aller te changer. Tu veux changer? Non. Tu comptes quand même pas dîner dans cette tenue? Mais attends, elle est vachement habillée. Pardon, j'ai oublié mon bonnet et mes moufles. Attends, là. Bon, écoute, on est peut-être en vacances, mais on n'est pas non plus obligé de ressembler à des campeurs. Ah non, ça je te rassure, Sabine. Tu ressembles vraiment pas à une campeuse. Non, c'est ridicule. Bon, Pierre, va me chercher le rigolo. Alors, ce soir, c'est barbecue, ah, saucisse, et piscine pour le Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une piscine. Je vous avais promis une piscine. Tu vas où, toi? Moi, je vais prendre l'air. Hors de question. Pierre, va me chercher le veau. Sabine, laisse ton veau mouiller, d'accord? Ce soir, c'est barbecue, c'est pas négociable. Vous avez bien compris? Bon, alors, tout le monde à table. Et vous m'entendez? À table! Bah merci. Bon, bon appétit. Bah bonne nuit. Thank you.
n'aimais pas ces yaourts? Oh, je vous pense ça, mais bon, il y a que ça. Tu te lèves la nuit pour piquer la bouffe? Ah non! Mais tu piques les yaourts du bébé? Que quoi? Oh, c'est reparti. C'est pas possible, ils n'arrêtent pas une seconde, hein. Je prends du Géraldine. Attends, mais... Ouais, ça énerve, hein. Ça énerve, hein. Non, mais attends, c'est très déstabilisant comme situation. Puis ils entendent pas, toi. Ah non, heureusement, je suis déjà assez tendue comme ça. Ah bon? Ah oui, vivement l'arrivée de Patrice. À ce point-là. Bah, qu'est-ce qui te fait marrer? Je pense à un truc là, mais moi je vais dire une bêtise alors. Bah vas-y. Hé, hey, dis-moi, si tu veux, pour cette nuit, je peux le remplacer. Ah non, surtout pas. J'aurais l'impression de régresser. J'ai une tête de réalisation sexuelle. Non, mais c'est pas pour toi, mais... Faut aller de l'avant, quoi. On couche pas avec ses ex, hein, jamais. Faut aller de l'avant. Et si tu veux, tu prendras la position que tu veux. Mais non, je rigole. Enfin, te plains pas, t'as un vrai lit au moins. De toute façon, je me fais toujours avoir, non. Viens dormir dans ma chambre si tu veux. J'ai un grand lit. On pourrait dormir ensemble. Enfin, si ça te dérange pas. Hein. Ben non, 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 ouais. On dormirait chacun de son côté, peinard. Ah, oh, peinard, ouais. Tu me ferais la lecture. Ils sont bons? Ça, ils te plaisent? Ouais, 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 ouais. Les yaourts, tu les trouves bons? Bah, enfin, on s'habitue, quoi. Mais... Bon, bah, je vais aller me recoucher, moi. Ouais, bah, moi aussi, hein. Oh. Vous dormez pas? C'est Fabienne qui me prête son lit. Voilà. Ouais. Vous dormez ensemble alors? Non, enfin si, mais c'est passé. Damien, c'est sa chambre. Ouais, c'est, tu vois, c'est ma chambre. Elle est vachement petite et puis il fait chaud. Le lit est super dur, quoi. Et puis, puis j'étouffe. Tu dors pas, toi? Bah non, je suis descendu chercher à boire à Sabine. Ah, ouais. Et elle adore pas Sabine. Ah non, elle donne 5. Ah ouais, ah, c'est bien ça. Bon ben, je vais aller me recoucher, moi. Hein. Bah, bonne nuit, Pierrot. Hein. Dors bien. Et bah, alors à demain. Ouais, à demain. À demain. Bah vas-y. Ah, où ça? Vous dormez ensemble, non? Oh, n'importe quoi. Attends, ouais. Touche pas avec ses ex. Hein. Et dis-moi, Pierrot, tu trouves que j'ai une tête de relation sexuelle? Quoi? Laisse tomber. Allez, va la rejoindre, attends que ça. Mais pas du tout. Bah, c'est dommage. Oui, mais c'est comme ça, hein.
C'est du gâchis. Suffit bien, Fabienne. C'est une fille exceptionnelle. C'est une emmerdeuse, mais c'est une fille exceptionnelle. Et si toi, tu ne fais rien, t'es un idiot. Non, mais il fallait te marier avec elle. Je suis très amoureux de ma femme. Non, mais ça, j'en doute pas. Ben, si tu en doutes, Damien, je ne me prends pas pour un con. Ouais. Que tu n'aimes pas Sabine, ça ne me dérange pas. Enfin, ça me fait de la peine, mais ça ne me dérange pas. Non, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on se voit moins souvent, voilà. Oh, bon, j'ai pas l'impression. Ah ouais? Combien de fois tu m'as téléphoné cette année? Je me dis pas que tu comptes, là. Pas la peine. Zéro quoi. T'as mis 2 mois pour venir voir Mathieu. Et encore parce que je t'ai bassiné pour venir passer un week-end avec nous à la campagne. Attends, mais c'est pas facile de trouver un moment, d'accorder les emplois du temps de chacun, là, tu vois? C'est difficile de venir à la clinique avec une pluche ou un bouquet. Faut faire des efforts, et tout le temps. Mais je sais pas faire. Ben, faut te forcer. Hey, Pierrot, tu me connais depuis 20 ans. Hein? Tu sais bien que vous me forcez pas. Moi. Ça, c'est trop facile, ça. Hey, c'est comme le fait d'habiter chez Franck. Tu te rends pas service. Il faut que tu te bouges. Il faut que tu arrêtes de vivre au crochet des uns et des autres. Il faut que tu te réalises. Que je me réalise? C'est quoi cette expression là? Oh, mais je sais même pas pourquoi je te dis ça. De toute façon, c'est simple, hein. Tu dis ça parce qu'on n'a pas de piscine, tu vois. On a envie de se jeter à l'eau, on pense qu'à une chose, tu vois, c'est se jeter à l'eau. Hé, Pierrot! Oh! Ouais. Hé, tu n'es pas apporté d'eau, toi, Sabine? Ah, si, t'as raison, tu l'aimes. Bon. Allez, bonne vie. Aide-moi, Pierrot, là. Viens voir. Elle est grande, là, votre nouvelle maison? Ah, bah oui, c'est vrai que tu l'as pas encore vue, toi. Oui. Pourquoi? Tu cherches un toit, Franck, t'as foutu à la porte? Ah, non. Ah, ouais. Bah, tu peux venir à la maison, tu sais. Je te laisse à ma place sur le canapé lit. Sur le canapé lit. Ah oui, je dors en bas depuis la naissance de Mathieu. C'est plus pratique, quoi. Enfin, c'est mieux. Je crois que j'ai un peu trop bu là. Bon, j'y vais. Si t'as besoin, eh ben, tu peux venir chez nous, on va t'héberger. Allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit, Pierrot. Tiens, là, t'es pas dans le train, toi? Non. Arrivé à Paris, j'ai eu le roi des couches, monsieur Pampers, sans personne, qui m'a appelé pour me dire, bon écoutez, je termine ma semaine de vacances, hein, et on verra ça lundi, pas avant. Tout s'arrange alors. Ouais. Je vais enfin profiter. T'es pas dans le train? Non. Tu l'as loupé. Non. J'ai appelé le roi des couches, monsieur Pampers en personne, et je lui ai dit, bon écoutez, je termine ma semaine de vacances, et on verra ça lundi, pas avant. T'as fait ça? Demande à Pierrot. Ah oui. Oh, puis il a été très ferme, hein. Tu parles plus? Non. Bon, et ça te dit d'aller te baigner cet après-midi dans les gorges? Ah ben, non. Non, parce que maintenant, moi, j'ai promis à Fabienne de l'accompagner à la gare, parce qu'il n'y a pas de risque qui arrive cet après-midi. Attends, mais il peut pas se prendre un taxi, celui-là. Gégé, tu vas quand même pas bloquer ta journée pour ça. Elle se démerde, la Fabienne. Non, moi, j'ai promis. Et puis, je te rappelle que tu devais pas être là au départ cet après-midi. Et maintenant, je suis là. Et ben, pas moi. C'est bête. Gégé. Je suis pas à ta disposition. Mais vous embêtez pas, j'irai moi le chercher à la gare, Patrice.
Non, pas question. Je vois pas pourquoi tu ferais ça. Bah, écoute, ça me dérange pas. En plus, il y a un petit musée de marionnettes à Lille-sur-la-Sorgue. Et j'ai envie de le voir. En plus, c'est une bonne occasion d'y emmener Sabine et Mathieu. Hein, Gégé, bah, tu vois, comme ça, tout le monde est content. Hein? Bon, d'accord. Ok, j'accepte. Mais à une seule condition. En contrepartie, Franck et moi, on vous garde Mathieu pour la soirée. Et puis comme ça, avec Sabine, vous pouvez nous arranger un petit dîner en tête-à-tête en amoureux, non? Bonne idée. Allez, vendu. Je vais peut-être aller en parler à Sabine avant. L'ange pire qu'hier. Ça s'arrange pas ta gastro, ça m'inquiète. Alors. Ça va aller, tu verras. Tu viens, on va faire un tour au village. Oui, mais attends, j'ai un dernier petit truc à faire avant. Oh non. Mais il faut absolument que je mêle cette liste là pour la fête des 5 ans de la boîte. Sinon Christophe va me tuer. Mais ça me gonfle ce truc. Bah, moi je trouve au contraire que c'est une très bonne idée, tu vois. La soirée là. Non. C'est toi qui lui as soufflé l'idée? Bah, Damien était d'accord avec moi. En plus, Damien dans la combine. C'est pas vrai. Franck, t'as un superbe appart, il est géant et tu reçois jamais personne. Là, au moins, ce sera une bonne façon et une bonne occasion de l'occuper. Allez, tu viens. Alors, il arrive à quelle heure déjà son train? 14h27. Quoi? 14h27? Non mais ça te bouffe l'après-midi quoi. Ah mais n'exagère pas, il y a 30 km seulement. Bon, 30 plus 30, ça fait 60 km. Et sur ces petites routes de campagne, on a au moins pour 1h30 aller-retour. Oui mais c'est peut-être une bonne occasion pour aller voir ce petit musée dont je t'ai parlé. Ton truc de Pinocchio là. Non mais arrête, Pierre, franchement. Non mais elle est gonflée quand même, hein. Pourquoi il va pas elle-même? Franck est resté, alors ils ont décidé d'aller... J'allais se baigner dans les falaises, je sais pas où. De toute façon, Géraldine n'a pas trempé son cul dans l'eau. Dis-moi, Sabine, pour le coton, là, tu mets sur 40 ou sur 60? Écoute, pour l'instant, tu mets sur rien du tout parce que je viens d'en démarrer une autre. Encore? Oui, encore. Et c'est pas la peine de soupirer. Mais si tu veux, tu peux rester ici cet après-midi, hein? Ça, tu l'auras pour toi toute seule, la machine à laver. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Bah écoute, ça éviterait peut-être à Pierre d'accompagner Fabienne à la gare pour aller chercher Patrice à ta place. Qu'est-ce que tu racontes? Bah dis donc, c'est quand même bien toi qui as proposé à Fabienne. Que Patrice, il pouvait prendre n'importe quel train, tu l'accompagnerais. Attends, Pierre. Enfin, excuse-moi, mais enfin, c'est quand même bien toi qui t'es proposé d'y aller à ma place, non? Non, parce que si tu veux pas y aller, si ça te dérange, tu me dis, moi j'y vais, hein. Non, ça me dérange pas. Ah, on dirait. Et puis, attends, excuse-moi, mais ton mari, il est assez grand pour se défendre tout seul, non? Ah oui? Et qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu le connais mieux que moi, peut-être? Non, justement, hein? Pierre, tout le monde sait qu'il est gentil, forcément, tout le monde en profite, hein? On sait bien qu'il sait pas dire non. Alors forcément, après, c'est facile de dire « Ah, oh, bah c'est lui qui me l'avait proposé !» Attends, si tu le laisses pas parler, il risque pas de dire non. Mais c'est ça, ouais. Ça va être de ma faute, maintenant. Non mais dis donc, c'est de ma faute, peut-être, si Fabienne, elle a pas son permis. Si vous préférez aller vous baigner, passer 2 heures dans la voiture, hein. Et puis, si la gare est à 3/4 d'heure d'ici, et si j'ai 15 kilomètres à laver parce que j'ai un bébé. Mais pourquoi tu t'emballes comme ça? Mais pourquoi tu m'agresses? Ah bah bravo. Maintenant, c'est moi qui suis agressive. Oh, mais génial. Non mais dis quelque chose, toi. Bah stop, c'est ridicule. On va se dire ça. Mais attends. J'ai effectivement proposé à Géraldine et Franck d'aller chercher Patrice. Alors, je vais à la gare cet après-midi. Ah oui? Et moi, t'as pensé à moi, hein? Je vais passer tout l'après-midi là à attendre le prochain biberon. Vraiment? Mais laisse-moi finir. En contrepartie, Géraldine s'est proposé de garder Mathieu ce soir pour qu'on puisse faire un petit dîner en tête-à-tête. J'ai repéré un petit gastro, ça s'appelle les pieds dans l'eau. Ils ont un menu à 45 euros, une vraie merveille. Ah oui, une merveille?
Ah oui, une merveille. Vraiment, une merveille. Ah ben, c'est ce que tout le monde dit. Ah bon, mais qu'est-ce qu'on dit? On y va pour sa cuisine, on y reste pour sa chaleur. Laissez-vous guider par Marie-Bonne, la maîtresse des lieux. Plus d'une bouche succombait à sa grosse côte de cochon de plein air du ventre rôti sur un tas de pommes de terre. Non, pardonne-moi, chère, mais franchement, tu crois vraiment que j'ai envie de reprendre tes kilos, là? Non, mais attends, j'ai pensé à tout, hein. Ils ont aussi une buissonnière d'un mélange de mesclun et de poisson fumé. Ça te tente pas? Deux épines. J'essaie de d'arranger tout le monde. Mais tu vois, je crois que c'est bien ça le problème, hein, toi. Bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser, hein, je vais allonger un peu. Je me demande ce qu'elle veut bien laver, celle-là. Elle est tout le temps à poil. Très joli linge qui pend dans la piscine. Une vraie déco de Noël. Il manque toutes les boules. Ah, je plaisante, moi, Sabine, je m'en fiche, hein, ça me dérange pas pour ressembler à des grands-pères. Je t'emmène à la gare. Moi, je vais préparer le biberon. Elle fait la gueule, Sabine? C'est pas à cause de moi, quand même. Non, non, c'est rien. Elle laisse tomber pour la gare, Pierrot. Patrice va se prendre un taxi. Je t'emmène à la gare, c'est pour négocier. C'est vrai? Oui. Ah, je préfère que ce soit toi. Ça me saoulait d'y aller avec Géraldine. Elle me gonfle, celle-là. Tu l'aimes bien, toi? Ouais, toi, t'aimes tout le monde, c'est vrai. T'es pas contre rien, comme bonhomme. Vous allez dire quoi, ça? Quand vous commencez à m'emmerder tous à la fin. J'ai l'impression d'être le grand con de service qui est gentil avec tout le monde. Mais si pour faire se faire respecter, si il faut gueuler plus fort que les autres, eh ben j'en suis capable, moi aussi. Merde! Je sais pas ce qui lui arrive. Ah, ce qui lui arrive? Ah, mais ce qui nous arrive à tous, hein? Le syndrome du baigneur. Vous avez été privé de nos droits aquatiques depuis le début du séjour. Donc, nous ne pensons qu'à une chose, jeter un traumatisme partagé par tous les membres de notre jolie communauté. Depuis le début du séjour, j'observe avec attention l'influence qu'a cette grande piscine vide sur le comportement de tous. Mélange de colère, de frustration, le tout pimenté par une météo caniculaire. Cocktail explosif qui nous tape sur les nerfs. Effectivement, ça a l'air dangereux. Ouais. Mmh. Hein? Ah, dis donc, tout le monde fait la gueule dans la baraque, là. Damien a une théorie. Ouais. Ouais. J'appelle ça le syndrome du baigneur. Ah, très bien. Moi, j'appelle ça des vacances de mer. C'est exactement la même chose. On est dans une piscine vide, prêt à se noyer. Eh, dis donc, c'est quoi cette prise de tête là avec ton mec, là? Hein? T'as vérifié? Il est dans son wagon, là, cette fois-ci, ton fantôme? Hein? Et tu me pars sur un autre ton, là, mon gros. Ah, non. Mais tout le monde gueule, ici. Attends, même Pierrot aussi, mais c'est quoi ces vacances de merde? C'est ta piscine, ça. S'il y avait eu de l'eau dedans, on serait en train de se baigner. On serait pas obligé d'utiliser des substituts. Elle a raison, là. Des substituts. Depuis le début du séjour, on peut pas se baigner. Du coup, on fait plein de choses néfastes et dangereuses comme discuter, se poser des questions sur nos vies, tenter d'y répondre. Bref, on prend le risque de pas être d'accord les uns avec les autres. Non mais tu crois que ça m'amuse, là, qu'on se soit fait arnaquer comme ça? Tu t'es fait arnaquer, pas on. Moi, j'aurais jamais signé sans voir la maison. Non mais attends, tu loues une baraque sur internet, tu regardes les photos, d'accord? Puis après tu dis oui ou tu dis non, ouais, c'est comme ça que ça marche, hein? Ouais, t'as vu sur internet, hein? Ouais, d'accord. Ah ben c'est sûr, après coup, la critique est toujours facile, hein? T'avais qu'à t'en occuper. Ouais, ah ben je suis bien d'accord avec toi. Bah oui, la prochaine fois tu t'en occuperas, puis on verra quelle gueule elle a ta super baraque, hein? Mais t'es d'accord, toi? Voilà. Ah là, ça se confirme, hein? Ah bah oui. Alors là, vous êtes sur le plongeoir. Prêt à vous écraser. Lilo, tu veux pas changer de chaise, là? Quoi? Bah,
T'es assis sur ma chaise. Enfin bon, celle sur laquelle je capte le mieux quand je suis monté dessus. Oui, je sais, ça peut paraître stupide, mais je pense qu'elle est légèrement plus haute que l'autre et du coup, je capte mieux sur celle-ci que sur celle-là. Si tu veux. Encore tes problèmes de fuite de chez mon père, ça. Très aquatique, hein, ton séjour, quand même. Non, ça, c'est une liste d'invités. Oui, parce qu'on m'a fortement encouragé à organiser une petite fête à la maison avec Gégé pour fêter l'événement. L'événement? Attends, hé, fais pas celui qui est pas au courant. Gégé m'a tout dit, je sais que t'es dans la combine. Ah non, mais attends, mais... Non, mais je sais tout quoi dire, quoi. Non, mais hé, franchement, bravo, hein. Eh, félicitations, hein. Quelle aventure, hein, quand même. Comme tu dis, comme tu dis. C'est pas rien de faire plaisir. Je penserais bien passer, figure-toi. Tous ces cons, là, qui vont venir le voir en disant... Oh. Eh, quelle aventure, hein. Bravo, vraiment, bravo. Ah, ben, ça se voit que c'est pas organisé. Non, ben, c'est sûr, de l'extérieur. Ça rend beau, ça a l'air facile, hein. Je veux dire que c'est pas une partie de plaisir, moi, l'organisation. Non, tu vas faire un dessous, une annonce. Une annonce, toi. Non, mais je pensais que tu voulais faire une surprise. Hein? Bah non, pas de surprise, non. Moi, c'est con. Que j'aurais bien voulu voir la tête de ta mère, moi. Je l'ai pas invité. Pas invité ta mère. Elle s'en fout de ce genre de truc, mon pauvre. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais rien vu du tout. D'ailleurs, je suis sûr que tout le monde s'en fout. Mais si Gégé t'entendait... Hein. Mais Gégé aussi, elle s'en fout de ce truc-là, mon pauvre. Pour elle, c'est juste l'occasion de mettre une drop neuve. C'est quoi, là, les petites croix auprès des prénoms, là, sur ta liste, hein? Ah non, c'est pas des croix, c'est des étoiles. Ah d'accord. Ah ouais, tu mets des notes là, tu mets des notes aux gens là. Ah non, c'est pas vraiment des notes, c'est des appréciations. Voilà. Et alors tu vois, ça c'est ma liste d'attente. Alors du coup, tu vois, si par exemple, tiens, Didier, s'il peut pas venir, ouais. Bah, je regarde ma liste d'attente là, hop, et j'invite Stéphane qui a 4 étoiles. Donc là, en résumé, Luc, qui a une seule étoile, il n'a aucune chance d'être invité. Pour Luc, ça va être difficile. Oui. Ah, t'es une belle ordure, hein. Hein? Pardon? Je suis nulle part, hein, même pas sur ta liste d'attente. J'ai pas besoin de t'inviter, mon pauvre. J'habite chez moi, j'ai pas le choix. Ah bon, pas le choix? Mais alors, si j'habitais pas chez toi, je serais pas invité. De toute manière, tu viendras pas. Attends, mais hey, tu le prends vraiment pour un monstre, là? Mais tu détestes ces soirées pompeuses. Non, mais, évidemment, j'ai envie d'être là, moi. Le jour où tu annonces à tout le monde que tu vas être papa. Voilà. On va dire là, la dernière phrase. Quoi? Tu peux répéter le dernier mot? Papa? Papa? Eh oui, papa! Qui va être papa? Je vais être papa. Attends, c'est pas possible, Franck, j'ai dormi plus tôt.
même dû me réveiller. Attends, à quelle heure ils arrivaient leur train? 14h27. Attends, il est 17h30. Qu'est-ce qu'ils font? À mon avis, ce soir, ça va péter, hein. Franck, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas? Franck? Et qu'est-ce qu'il a? Il a eu chaud, quoi. Il fait chaud. Bah viens, viens, on va prendre un bain. Je vais à la piscine. Bon bah moi, je vais prendre un bain. Bah, attends, vous êtes que tous les trois? C'est n'importe quoi! N'importe quoi! Bon, je vais essayer de le rappeler. Bon, bah, je vais aller lui couler un bain. Ah, il va m'entendre, hein, Patrice, quand il va arriver. Hein. Enfin, je te préviens, il va m'entendre. Hein. Une heure pour aller à la gare, une heure pour revenir, plus le train qui avait trois quarts d'heure de retard, et tout ça pour rien! Ah non, mais j'ai bien fait de les accompagner, moi, hein. Super le séjour. Mais attends, je comprends pas là. Il est où Patrick? Bah c'est pas. Il répond pas, il arrive pas à le joindre. Vous avez fait quoi? Bah rien. On est allé à la gare, on a attendu que le train arrive, le train est arrivé. Pas de Patrice. Donc, elle a appelé, elle a essayé de le joindre. Pas de Patrice. Non, pas de Patrice. On est revenu. Il s'excuse. Il était en réunion, il n'a pas pu se libérer, il n'a pas pu l'appeler, il n'a pas vu la repasser. Mais dis-moi, Fabienne, t'as pas l'impression là, qu'il se fait un petit peu de ta gueule, là, ton Patrice, là? Il y a un petit peu de la nôtre aussi, non? Il s'excuse. Il a pris le même billet pour demain. Bon, parce que t'as l'impression d'y retourner demain? Bon, mais t'iras toute seule, hein? Faut arrêter le délire, là, maintenant, hein? Non mais attends, Sabine, t'étais pas obligée de venir. Si quelqu'un doit m'en vouloir ici, c'est Pierre, pas toi. Mais Pierre, Pierre... Mais Pierre, tu pourrais lui demander 15 fois de suite de t'accompagner à la gare. Tu diras jamais non. Eh ben, comme tu dis jamais oui, c'est bien, ça équilibre votre couple. Alors, tu l'as baigné? Non, il s'endormait, je l'ai couché. Et de toute façon, c'était occupé, il y a Géraldine qui prend un bain. Encore? Non mais elle prend combien de bains par jour, celle-là? Dis donc, Franck, à force de passer son temps le cul dans l'eau, la sirène, elle commence pas à avoir les pieds un peu palmés, là? Pardon? Non, tu lui dis qu'elle est pas toute seule dans la maison! Stop, c'est ridicule! Oh non, arrête avec ça, toi! Tu sais tout ce que tu sais dire! Sabine, Sabine, calme-toi, hein? Non, mais tu vas où, là? Je prépare un biberon. Tu restes là! On discute, il faut bien attendre 5 minutes, ton biberon! Mais vous discutez pas là, vous criez! On parle, il y a un problème, on s'exprime! Pour une fois, Pierrot, excuse-moi, mais je suis d'accord avec ta femme. Non, mais c'est vrai, tu peux pas toujours te mettre la tête dans le sable et attendre que le vent te passe par-dessus, quoi! Hein? Non mais Franck, tu me parles pas comme un de tes cadres, hein? Tu gardes tes métaphores là pour tes vendeurs de couches, d'accord? Ça veut dire quoi ça? Rien, ça veut rien dire! Seulement tu me mets pas l'action! On n'est pas capable de louer autre chose qu'une baraque avec une piscine radioactive, et ben on la met en sourdine. Ah, ici, pour se faire entendre, il faut gueuler plus fort que les autres. Eh ben moi, je sais pas faire, j'ai pas envie. Je suis fatigué. On est tous fatigués. Je suis pas venu ici pour régler des comptes, moi. Bah justement, puisqu'on parle de comptes, il y en a un qui devrait arrêter de les faire, les comptes. Damien, c'est insupportable ce que tu fais. Attends, mais qu'est-ce que je fais? Tu épluches les notes du supermarché et tu fais les divisions. C'est limite si tu déduis pas la TVA. Non seulement forcément, hein. Ni toi, ni Franck, ni personne. Vous lui dites jamais rien. C'est vrai, c'est votre pote. Cette espèce d'immunité qu'il a dans le fond fragile qu'il faut pas perturber, c'est insupportable. Bon, Damien est radin, mais c'est pas un scoop, ça, quand même. C'est pas un scoop, là, n'importe quoi.
conversation est stérile, là. On est tous énervés, on n'en peut plus. J'irai à la gare demain et j'irai voir mon musée de marionnettes, voilà. Ah non, il est hors de question qu'on continue à vivre au rythme de ce connard. Oh tiens, la voilà ta baby-sitteuse. Quand je pense que c'est à elle que tu veux confier mon bébé, non, franchement, Pierre, il y a des fois, je me demande comment je fais pour te supporter. Bah, c'est marrant, ça, parce que moi, je me demande l'inverse. Je me passe de tes commentaires, Géraldine. Ah oui? Tu crois que je vais pouvoir accéder au lave-linge avant la nuit? Ou je sais pas, ça se passe comment? C'est toi qui donnes les tickets? Non, mais dis donc, tu ne donnes pas de leçons sur le bon déroulement du séjour. Et pourquoi pas? Tiens, hein? Attends. Qui squatte la machine à laver du matin jusqu'au soir sans jamais rien demander à personne, hein? Et qui va faire les courses sans jamais rien demander à personne? Et puis qui décide du menu matin, midi et soir sans jamais rien demander à personne, hein? Qui? Alors attends, je vois pas pourquoi tu viendrais me donner une leçon de civisme. Ah non, mais je rêve là, je rêve. Non mais qui lève son cul pour faire la bouffe? Qui lève son cul pour faire le ménage? Qui lève son cul pour faire la vaisselle? Stop, c'est ridicule. Arrête avec cette expression. Vraiment. Eh, tu sais que pour quelqu'un d'absent, il a le pouvoir à foutre la merde dans un groupe d'amis. Patrick, là, c'est impressionnant. Non, mais moi, je m'en fous, hein. Il vienne que deux ou trois jours, je ne paierai pas ses vacances. On a dit qu'on a des étincelles. C'est pas mon problème, hein. Damien, arrête avec tes cons. Ok? Bon, on passe des vacances pourries. C'est ma faute? On est dans une baraque de merde sans piscine, c'est de ma faute? C'est ça? Et je vais vous les payer, vos vacances de merde! Je vais vous la payer, votre location de baraque! Ah, je ne sais plus quel poète a dit qu'il y a certaines choses qui ne s'achètent pas. Oui, et pour tout le reste, il y a une Mastercard! C'était un publicitaire! Eh, hey, dis-moi, Sabine. C'est toi là qui a encore acheté des yaourts là au barbare? Saveur courgette, courge à la vanille. Pourquoi? Il y a un problème avec les yaourts? Mais non, il n'y a pas de problème avec les yaourts. Tu vois, le seul truc, c'est que tu ne penses qu'à toi, à tes petits desserts, à tes petites salades, tes fruits, tes légumes. Hein? On est en groupe là, hein? On n'est pas chacun ses soi. Mais écoute, on va dépayer tes yaourts. Pierre, va me chercher mon portefeuille. Non mais stop! Là c'est... Ne le dis pas que je t'assassine. Bon, par contre, Damien, dis-moi, tu chies combien de fois par jour, toi? Vas-y, dis-moi, ça m'intéresse. Non, parce que tu vois, j'ai remarqué un truc. Tu chies énormément de fois par jour. Mais non, enfin, mais... Mais c'est vrai. Alors, je sais pas d'où ça vient. C'est vrai, je pouvais pas remarquer. Non, mais tu te réponds. Je sais pas, c'est vrai, c'est assez marrant. Alors moi, par exemple, j'y vais relativement peu à la selle. Alors je ne vois pas pourquoi on partagerait le papier toilette. Alors je propose qu'à partir de maintenant, on paye en fonction de sa consommation. Tu vois, je sais pas, on a qu'à dire au rouleau ou à la feuille. Je sais pas c'est combien un rouleau. 1 euro, 1,50 €. Bah écoute, ça fait 1 centime la feuille. Hein? Ça vous va? Ça va à tout le monde? Ah! Non mais ça va pas bien, crier comme ça, tu vas finir par réveiller Mathieu? Eh bien ce n'est pas grave. Oh t'en as de bonne toi, mais je fais comment moi pour me reposer? C'est un bébé, il va s'endormir, puis il va se réveiller, puis il va se redormir, il va se réveiller, c'est comme ça que ça marche les bébés, Sabine, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Non mais si c'est pas grave, tout va bien. Mais non justement, tout ne va pas bien. J'en ai marre que tu me prennes pour le nounours de Mathieu. Marre de ne pas pouvoir te faire une caresse, un câlin, un bisou, une blague à la con. Marre de dormir dans le canapé-lit. Marre que tu t'endormes quand je monte me coucher. Marre d'avoir peur de dire un mot de travers, d'avoir peur que tu pètes les plombs. Mais ce n'est pas moi, ça n'est pas toi. Mais putain, merde, on n'est plus naturel. Alors qu'est-ce qu'on fait, hein? Tu peux me le dire? On n'est plus pouvoir se supporter, c'est ça? Arrête, Sabine. Arrête. Ah, tu me fatigues! Tu nous fatigues! Et tu te fatigues! J'en peux plus! J'en peux plus de te voir comme ça! J'en peux plus, tu comprends? J'en peux plus, tu comprends ce que je suis en train de te dire?
On partira demain matin. Nous aussi. Patrice ne viendra pas. S'en doutait un peu, hein. Non mais, t'as pas encore compris que ton Patrice il t'a sauté puis c'est tout, hein? Mais tu croyais quand même pas qu'il allait larguer comme ça, femme et enfant? C'est quoi sa nouvelle excuse? Il a eu un accident de voiture. Oh. Il est mort. Bon bah alors, hein, puisqu'on partage tout, il y a pas de alors, on a eu beaucoup de problèmes avec le P cette semaine. Non, mais rassurez-vous, hein, je ne vais pas vous parler de transit, hein, mais de la lettre P. Alors, pas de piscine, pas de portable, pas de Patrick. Mais non, par contre, plein de petites étoiles auprès des prénoms. Ah, il ne vous a pas dit? Tu l'as pas dit, la Franck, hein? Non, c'est drôle, ça. Il faut savoir que Franck note ses potes, hein? Il nous donne des notes, eh oui, hein? Arrête. Quoi? Arrête. Et le petit Mathieu, tu lui donnes combien d'étoiles, là? Arrête, Damien, arrête! Les bébés aussi, tu leur donnes des étoiles? Arrête! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Patrice. Mais tu t'en fous de ton Patrick, là? Moi, je suis là, là! Tiens, hé, hey, serveur courgette, là, délicieux! Damien! Oui? Patrice, il est mort! Hein? Je viens de le tuer. Hein? Quoi? Je viens de le tuer à l'instant. Pourquoi t'as fait ça? Je pensais qu'il me simplifierait la vie. En fait, il me l'a compliqué énormément. Mais, attends, mais c'est qui ce Patrick? Patrice, c'est rien. Il n'existe pas. C'est mon alibi bonheur. J'ai tout inventé. Il n'y a jamais eu Patrice. Pourquoi? Parce que moi aussi je suis fatiguée. J'avais pas le courage de passer une semaine à avoir de la compassion dans vos yeux et vous entendre dire « Mais t'inquiète pas, il va venir le grand amour. » Parce que justement, si je m'inquiète, vous voulez tout savoir? Je suis morte de trouille. Moi, m'en regardez pas comme ça, c'est pas de votre faute. Damien, ça t'a peut-être blessé que je te dise que t'étais pas le nouveau Julien Gracq quand on vivait ensemble. Mais entendre dire je ferai pas d'enfant, je ferai des livres par la personne avec qui on vit depuis 5 ans, je t'assure que c'est pas facile. Toi, t'as ton livre imaginaire, ton roman qui n'en finit pas de finir, ce truc qui te fait tenir debout le matin quand tu te lèves. J'ai même cru un jour qu'il existerait. Moi, j'ai Patrice. Tant qu'il n'y a pas d'eau dans une piscine, on peut toujours faire croire aux autres qu'on sait nager. Oh merde. C'est pas possible, ça fait merde. Mais il est où? Il est où mon manuscrit là? Tiens, hein, t'en veux plus? Tu me le gardes 5 minutes, 10 minutes pas plus, moi je remonte me coucher. Non, non, mais. Et Sabine, elle dort pas? Si elle dort, j'attends. Bon, je te pose là, tu le gardes, hein? Pas longtemps, je te promets. Non, non, mais attends, mais elle te demande un Franck, hein. Non, mais t'inquiète pas, pas longtemps, je te promets, je te promets. Non, mais Pierrot, reviens, là. Attends, ne me laisse pas tout seul avec lui, là. Non, non, mais moi, je sais pas comment ça marche, hein. Mais ça marche pas, ça, Jean. Non, Pierrot, non, mais reviens, écoute, et reviens. Non, mais ne me laisse pas tout seul avec lui. Faut pas lui changer ses repères à ton fils, comme ça, là. Mais faut pas qu'il croie que c'est moi son père. Non, mais Pierrot.
Il est parti, ton père, là. Bon bah, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu vois, moi, j'étais juste descendu, là, pour chercher mon manuscrit. Tu l'aurais pas vu, toi, par hasard? Non, mais je le cherche partout, tu vois. C'est mon problème, ça. Je cherche, quoi. En fait, j'ai le problème des gens de ma génération. Je suis chercheur. On cherche un appart. Du boulot. Nana. Écoute, faut vraiment que je le retrouve avant qu'il se mette à pleuvoir dessus. Hein. Donc tu bouges pas, je reviens. Il n'arrête pas d'essayer d'en faire. Alors tu vois, là maintenant c'est bien fait pour lui. C'est bien pour lui, hein. Allez, dis, hey, tu veux quoi? Un petit frère, hein, ou alors un petit copain, une petite copine, comme tu veux. Hein. Bon, allez. Hein, Franck, hein, je compte sur toi. Hein. Tu rends à Pierre sans discuter. Hein. Il ne faut pas le culpabiliser, tu comprends? Ah, il faut qu'il se réalise, le Pierrot, hein? D'accord? Allez, bonne nuit.
qu'est-ce qu'on fait nous maintenant tous les deux là? Hein? Eh, dis donc, tu me fileras un coup de main là pour mes couches là? Je patauge complètement en ce moment. Eh, c'est la première fois que je patauge comme ça. Dis donc, ça y est, tu dors toi aussi? Enfin, tu t'en fiches complètement de ce que je te raconte, hein? Tu préfères ton pouce? T'as bien raison, toi. C'est beau, un bébé qui dort. Ça ne te tente pas? Oui, je prendrai bien sa place. Tu comptais m'en parler quand exactement? Tu le sais? C'est Damien qui te l'a dit? Qui d'autre est au courant? Personne. Et tu comptais m'en parler quand exactement? Cet après-midi au lac, mais on n'a pas pu aller se baigner tous les deux. Ça fait longtemps que tu le sais? Ça fait 10 jours que je m'en doute, mais j'en suis sûre depuis qu'on est arrivé ici. Et t'as pas trouvé un moment pour m'en parler? Tu t'en fiches de mon avis? J'attendais que tu aies le temps, Franck, on peut pas te parler. Et puis j'avais pas envie aussi de te l'annoncer du genre tiens, au fait, Franck, tu vas être papa. Entre 2 coups de fil et 3 mails. Maintenant, Franck, si t'en veux pas, moi je peux pas te forcer, hein. J'ai pas dit ça, mais je me pose des questions, c'est. Je sais pas si c'est peut-être pas le meilleur moment. Mais ce sera quand le meilleur moment? J'en sais rien, moi. C'est quand même pas rien! Bah non, c'est pas rien. Mais nous non plus, c'est pas rien! Gégé, ne me dis pas que t'as fait un bébé uniquement pour me garder! Ça, si c'est ce que tu crois de moi, c'est pas la peine qu'on continue. Ah, parce que si t'as fait ça, Gégé, là, il y a vraiment un préjudice! Vous êtes là?
bébé. Je sais pas comment il fait avec ce tonnerre, mais il s'est endormi d'un seul coup. Oh, il y a un latin. À pleuvoir, comme ça, il n'y a pas de regret. Ah, tenez. Avant de partir, il m'en reste une. Je me lance? Ah ouais. Alors, cher monsieur Rodier, merci pour votre baraque pourrie. Sans elle, je n'en serais pas là. Je n'aurais plus jamais aucun préjugé sur les préjudices. À qui? Eh bien, à moi. Alors, cher monsieur Panthers, je vous remercie de bien vouloir prendre en compte ma commande personnelle de 150 paquets de couches pour les années à venir. Et le futur roi des couches. Alors moi. Cher petit guide, merci pour tes merveilleux conseils touristiques. Merveilleux? Ah oui, vraiment. Grâce à toi, je n'ai jamais autant voyagé que pendant ces 3 jours. Cher papa et chère maman, la piscine était immense, l'ambiance excellente, et en plus, Pierre a battu son record d'apnée. 72 heures! Alors, cher Patrick, Patrice, j'ai fait un petit calcul rapide. En prenant en compte la location de la maison, l'essence et les yaourts, tu nous dois à tous 117,50 €. Cher Patrice, je suis désolée pour cet assassinat complètement non prémédité. Mais je viens de croiser les tongs d'un écrivain odieux et invivable. Tu comprendras que je n'ai pas pu résister. Eh mais en fait, attends! C'est dommage de partir maintenant! On devrait rester! Bah pourquoi? Mais parce que, avec la pluie qui va tomber, la piscine, elle risque d'être remplie avant la fin de la semaine! Ah. Ce serait dommage de ne pas en profiter, non? Alors on se prend un petit bain? Ouais, pourquoi petit? Bah oui! Oh oui! À poil dans l'eau toute la journée! Moi aussi je veux bien me jeter à l'eau! Bon ben, on y va alors! Bah ouais! Tous dans le grand bain! Ouais! Comme ça? On va bien voir qui sait nager. Ouais. Allez.